sont aujourd'hui 800 millions de par le monde. Ils obéissent à des règles édictées au 7e siècle de notre ère. Ils respectent 5 principes fondamentaux. La profession de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. La prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque. Ils appartiennent à des civilisations diverses, mais tous sont imprégnés de ces 5 principes. Dans le monde d'aujourd'hui, on choisit encore l'islam. En France, des intellectuels, mais aussi des gens modestes viennent frapper à la porte des mosquées et demandent à entrer dans la religion d'Allah. Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à embrasser la foi musulmane? L'exemple iranien, fanatique, exigeant, rigoriste, leur semble-t-il être un rempart contre les valeurs nouvelles qui viennent de l'Occident? En Afrique, où l'islam s'étend comme une traînée de poudre, est-ce pour se détacher complètement des anciennes puissances coloniales, chrétiennes et prosélytes, que les hommes et les femmes se convertissent en bloc? Cette religion est-elle aussi souple qu'on le dit? Permet-elle vraiment de maintenir en place, en un syncrétisme éclairé, les anciennes traditions de ceux qui s'y adonnent, l'animisme par exemple? Ces foules qui 5 fois par jour se tournent vers la Mecque constituent-elles pour nombre d'hommes qui cherchent dans les ténèbres métaphysiques qui sont les nôtres une lumière? Les accusations de fatalisme, de fanatisme, de misogynie sont portées contre les musulmans. Est-ce une réalité? Être musulman, est-ce appartenir à une idéologie, à une foi, à une communauté homogène? Est-ce construire un certain avenir du monde ou vouloir recréer les fastes d'un passé aujourd'hui éteint? Bonjour, eh bien, je crois que tous les problèmes sont posés dans ce petit télécinéma que vous venez de voir. Et pour y répondre, nous avons réuni sur ce plateau 3 invités et 4 téléspectateurs. Je vous présente nos invités. Voici Najumdin Bamat. Il est afghan d'origine, il a été pendant 20 ans directeur de la culture à l'UNESCO et il est aujourd'hui conseiller de la Conférence islamique mondiale. Eva Dvitre Meirovic, elle est professeure de philosophie musulmane, elle a été professeure, le seul professeur femme à l'université El Azhar du Caire et elle est une des spécialistes en France d'un mystique musulman qui s'appelle Rumi et que nos téléspectateurs connaissent peut-être. Enfin, le père Michel Lelong, il est père blanc, il a longtemps vécu en pays d'islam, il a écrit de nombreux ouvrages, et le dernier qui vient de paraître vaut la peine, je crois, d'être vécu. Il s'agit de l'islam et l'Occident chez Albin Michel. Voici donc nos 3 invités, Daniel, nos 4 téléspectatrices. Téléspectateurs aujourd'hui. Il y a avec nous Madame Delaulle. Madame Delaulle, vous venez d'Aix-en-Provence, vous avez vécu 24 ans parmi et avec les musulmans. C'est en tout cas ce que vous nous expliquez dans votre lettre qui est très longue et qui parle beaucoup d'une caractéristique qui vous a beaucoup frappé pendant ces 24 ans, qui est cet immense don de soi et de tout ce que l'on a. Oui, de la générosité, d'hospitalité, de partage, d'accueil et de respect du maître. Ça, que nous avons d'autant plus apprécié puisque nous étions enseignants et que vraiment c'est bouleversant de voir les témoignages d'attachement, de respect, de gratitude que nous avons reçus dans tous les milieux. Et même après 7 ans d'absence, nous retournons au Maroc et c'est comme si c'était hier. Quelles sont les autres caractéristiques qui vous ont frappé, ému, touché? Cette façon qu'ont les musulmans de prier, quand c'est l'heure, où qu'ils soient, de s'installer là sans aucune honte, sans confusion aucune, au milieu de gens chrétiens ou à l'école, par exemple, au milieu des enfants qui jouent, le chaouche,
c'est-à-dire le concierge, l'homme à tout faire. Il mettait son tapis là et la terre pouvait trembler et la pluie dégringoler. Il disait sa prière et rien d'autre n'existait. Ah, vous venez de nous le dire, Madame Delaulle, cela fait 7 ans que vous êtes rentrée en France. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer à nouveau des musulmans qui vivent en France et où apparemment il n'est pas facile d'être musulman? Eh bien, depuis l'année dernière, nous avons à Aix-en-Provence et en particulier chez nous un de mes anciens élèves qui est maintenant étudiant. Mmh. Et nous avions tout près de chez nous un immense immeuble qui est pratiquement meublé de musulmans, maghrébins et noirs. Et on entend le muezzin qui chante la prière à toutes les heures requises. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, mmh. En ville. Il y a une mosquée? Je ne pense pas. Non, ce n'est pas une mosquée. C'est dans un immeuble, je pense. Nous essayons toujours de voir d'où il chante, mais c'est très discret. Je ne sais pas s'il se met par sa fenêtre ou s'il monte à la terrasse. En tous les cas, il chante la prière. Vous-même, vous n'avez jamais été tentée par non, cette religion? Pas du tout. Non. Pas du tout. Nous avons longuement et très souvent discuté avec nos amis. Nous avons énormément d'amis musulmans, plus ou moins convaincus. Nous avons discuté toujours à cœur ouvert, mais enfin, la tentation ne m'a pas effleurée. Si j'ai bien compris votre lettre et les longues descriptions que vous faites de tous les rites musulmans que vous avez pu observer, c'est une religion qui s'imbrique de façon très intime à la vie quotidienne. On vit heure par heure en étant musulman. Oui. On n'oublie pas sa religion pendant 3 heures ou pendant 8 jours. Oui, je pense qu'il... Enfin, je sais presque avec confusion et honte que je dirais ça, mais ils sont peut-être musulmans 24 heures sur 24, et nous ne sommes peut-être pas toujours catholiques 24 heures sur 24. Il faut, hélas, le dire. Mais je pense que les gens qui ont vécu en milieu musulman doivent être profondément marqués par les exemples reçus. Mmh. Et ça, nous l'avons vu à travers le monde entier. Chaque fois que nous avons rencontré des gens ayant vécu en milieu musulman, nous avons retrouvé ce qui nous avait frappé et modelé, nous, en vivant parmi eux. Et on reviendra sur votre témoignage, Mme Delaulle, car nombreux seront les sujets de la conversation qui va suivre. Et tout à l'heure, Geneviève, au cours du petit film qui a ouvert cette émission, parlait des nombreuses conversions et adeptes qui, de plus en plus, adhèrent à la religion musulmane. Et nous avons un exemple sur notre plateau. C'est Mademoiselle Aline Campello. Vous venez du sud de la France également. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Oui. Et vous êtes convertie. Oui, c'est vrai. Envers et contre tous, car votre famille ne vous a pas particulièrement aidée. La famille, disons, je dois le respect à mes parents, mais ils n'ont pas leur mot à dire sur ma religion. Donc, le respect, c'est un devoir que j'ai vis-à-vis de l'islam et de mes parents. Mais pas du tout, ils n'ont rien à dire sur ma religion. Ils ne sont pas tellement d'accord. Ah, ils ne se posent pas, ils n'ont absolument rien dit. Ils n'ont rien dit. Vous étiez d'origine chrétienne? Oui, mais mes parents sont chrétiens. Alors comment êtes-vous venue à cette religion? J'ai connu des familles musulmanes, bon, en conversant avec eux, puis je me suis intéressée au Coran, certaines choses qui me touchaient de très près, sur la vie surtout, et toute chose a une réponse dans le Coran. Et puis c'est de là que je me suis convertie en l'islam. Mais, oui, qu'est-ce qui vous a intéressé? Pardon, Daniel, on a toujours les mêmes questions à poser. Qu'est-ce qui vous a séduite dans cette religion lorsque vous avez commencé pureté, à discuter? La bonté, la sagesse, la droiture, tout ça c'est dans l'islam. Et mais c'est aussi dans la religion chrétienne. C'est ça, c'est aussi dans la religion chrétienne. Mais c'est peut-être l'application qui vous a séduite. Oui. Cette application quotidienne. On et surtout, être musulman, c'est avoir la foi en un Dieu unique. Mmh. Et pratiquer la religion musulmane, ça veut dire soumission et obéissance. Donc, tout être peut être musulman, mais tout musulman ne pratique pas. Parce qu'il faut obéir à des règles, dont sur les 5 obligations, mais il n'y a pas que ça qui compte dans l'islam. Vous vivez vraiment votre religion? Oui, enfin... Est-ce que c'est facile quand on est une jeune européenne, dans une contrée où il n'y a pas de mosquée, où vous n'êtes pas entourée? Disons, il y en a à Avignon, mais à Orange, on n'en a pas une encore. Alors comment arrivez-vous à véritablement vivre cette religion? Bon, les prières, bon, pour la femme de la faire chez soi, donc ça ne pose pas de problème pour les prières. Bon, le ramadan, bon, en travaillant, ça ne me pose pas de problème non plus. Bon, mais tout le reste, tout ce qui est charité, bon, il n'y a pas que ça. Un musulman doit être bon, généreux... Vous travaillez? Oui. Alors, comment faites-vous le vendredi, par exemple? Est-ce que cela vous gêne d'aller travailler un vendredi, qui est le jour de congé, de repos, de paix des musulmans?
du moment où j'ai des certains horaires, disons, souples, donc ça me permet de faire mes prières, surtout celles de 14 heures à la maison. On a l'impression, vous l'écoutez, mademoiselle Campello, que c'est une religion très, très rigoriste, enfin très réglée, très formaliste. Exactement. Disons que la prière, c'est un pacte. Donc, il faut respecter ses horaires et c'est un pacte qu'on a vis-à-vis de Dieu. Le ramadan aussi, on le doit, c'est un mois de jeûne, sauf si on est malade, si vraiment la santé nécessite beaucoup de soins. Si là, on peut être dispensé de faire le mois de ramadan qui peut être reporté à plus tard, dès qu'on est mieux. Le pèlerinage à la Mecque, bon, ben, j'ai l'intention, mais il faut avoir les moyens. Pour le moment, je ne les ai pas, mais j'ai l'intention d'y aller déjà. Alors, mademoiselle Campello, on peut naïvement, quand on est occidental, bercé dans les religions du catholicisme, on peut se dire, mon Dieu, une jeune femme qui se convertit à l'islam, est-ce pas en contradiction avec le fait d'être une femme, justement? Car apparemment, mais peut-être se trompe-t-on, cette religion est assez astreignante pour les femmes. Non, parce que la femme, disons, est l'égale de l'homme physiquement dans le Coran, et le Coran octroie beaucoup de droits à la femme, donc... Au contraire, la femme est bien estimée et bien mise en valeur par le Coran. Hein. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, je crois. C'est une des parties du débat. Tout à fait. Alors, avec nous aussi, M. Ben Abdella. M. Ben Abdella, vous venez de la région lyonnaise. Oui, je viens de Lyon et spécialement de la Duchère, de quartier de la Duchère. Mmh. Je suis un ouvrier étranger d'origine tunisienne. Mmh. Pardon. Je peux vous poser une question indiscrète parce que théoriquement c'est Mme Rizer. Oui, c'est ça, Mme Rizer, Khadija Mrizer, qui vous a écrit que la lettre on l'a écrit ensemble. Et puis c'est vous qu'on a vu arriver. Hein. Oui, la lettre on l'a écrit ensemble. Et Mme Rizer, bon, c'est une mère de famille, elle a un enfant handicapé et elle ne peut pas venir, elle s'excuse. Bon, puisque la lettre on l'a écrit ensemble, c'est tout un groupe qui a écrit la lettre, c'est Mme Rizer qui a signé. Et je vous précise, à la suite de ce que vient d'être dit, c'est, le groupe c'était des femmes. Alors pourquoi n'est-ce pas une femme ? C'est un groupe de femmes qui a écrit la lettre. Hein. Mais pourquoi, je crois que vous avez apprécié la lettre et c'est pour cela que vous nous avez invité. Mais je précise que la lettre est écrite par un groupe de femmes et que moi, je sais superviser un petit peu. Mais monsieur Benabdella, pourquoi n'est-ce pas une autre femme de ce groupe qui pourrait être aujourd'hui à votre place, qui n'est pas là ? Pourquoi ? Pourquoi je crois qu'ils ont des obligations familiales. Ils ont tous des enfants à l'école. Puis, Mais Madame de Lolo aussi, Mademoiselle Campello, peut-être pas encore, mais elle a peut-être un petit frère à garder. Oui, on n'a pas pensé. Bon, ils m'ont proposé. Moi, je ne sais pas. Alors, c'est une question importante. C'est un groupe de femmes je crois que s'ils ne sont pas venus, ce n'est pas par interdiction de leur mari ou bien par une obligation. Je crois que c'est bon, il y a des femmes qui travaillent, qui n'ont pas eu la chance de venir. Moi, j'ai eu un travail qui me permettait de venir. Et c'est tout, il n'y a aucune autre arrière-pensée, hein, je crois. Bien. Bien, alors, ne nous mettons pas en colère. Non, je ne me mets pas en colère. Non. C'est interdit, d'ailleurs, je crois, par le Coran. Alors, monsieur, vous êtes musulman ? Oui, je suis musulman. Oui. Et comment vit-on sa religion quand on habite la Duchère, oui, que l'on est ouvrier ? C'est pas facile. Lorsqu'on est un ouvrier étranger, on vit difficilement l'islam. C'est vrai, on n'a pas de mosquée, mais l'islam ne nous impose pas de faire les prières dans la mosquée. Dieu, il dit, j'ai créé la terre, toute la terre est une mosquée. On peut faire la prière aussi bien chez soi, aussi bien en travaillant. C'est pas, la prière, ce n'est pas de faire les rak'at, c'est-à-dire les prosternations, de se mettre devant la Mecque, mais même en travaillant, la mémoration de Dieu, le fait de se rappeler de Dieu, c'est déjà la prière. Et Dieu, il dit que la plus importante prière, c'est le fait de se rappeler de Dieu. Il suffit pas, et c'est pas important, c'est pas très important de faire l'ablution, de se mettre devant la, avec sa petite natte, devant la, en direction de la Mecque et faire la prière rituelle. Je crois que la prière, c'est même, ça peut se prononcer par le cœur, ça peut, tout acte de vie, même du travail, c'est une prière dans l'islam. Alors, monsieur Jonquet. Voilà, même lorsque, avec les yeux, avec les mouvements des paupières dans l'islam. Monsieur Jonquet. Je suis allé au Sénégal, à Dakar, et j'ai vu des gens de là-bas
qui font des chapelets. Comme ça, puis qui, en nous parlant, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, je fais des prières. Mais en me parlant, oui, ça, ça fait des prières quand même. Donc on revient un petit peu à ce que vous disiez. Oui, on peut intérieurement faire ses prières, sans s'interrompre de son activité. Bon, il y a d'autres obligations. Par exemple, bon, on ne mange pas le cochon. Cela est resté. Ah, c'est resté. Ça, ouais. Je crois que c'est très respecté par tous les musulmans, hein, même les pratiquants et les non-pratiquants. Le fait d'appartenir à la communauté musulmane, ben on ne mange pas le cochon. Pourquoi ne mange-t-on pas le cochon? Je crois que c'est impur. C'est un peuple qui a été, au temps de Jésus, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, qui a été rendu de cette manière, est devenu animal. Et c'est de là que le cochon, disons, est interdit. C'était un être humain transformé en... Non, je crois, je ne partage pas. Oui, non, je crois que c'est une question d'hygiène. Je ne partage pas votre avis. Non. Je crois que le cochon a été interdit par les... Même pour les fils d'Israël, ils ne mangent pas les cochons. Et l'islam, si on prend l'origine de l'islam, bon, je crois que c'est très important de voir qu'est-ce que c'est l'islam. Bon, l'islam, c'est la renaissance de la religion d'Abraham, c'est le monothéisme pur, et l'islam c'est une progression de la religion première, la religion de Jésus, de Moïse, de David. Oui. L'islam c'est une seule religion, hein. On se demande parfois, les enfants me demandaient pourquoi s'il y a un seul Dieu, pourquoi il y a trois religions. En réalité il y a une seule religion. Ils ont tous prêché l'islam. Voilà, Dieu il a envoyé les prophètes à tout peuple pour prêcher l'unicité divine, l'unicité de Dieu. Oui, disons que nous l'avons interprété les uns et les autres d'une façon différente. Voilà. Alors, monsieur Jonquet, nous en arrivons à vous, monsieur Jonquet. Oui, allez-y, posez la question. Je croyais que la révélation était terminée à la fin de la Bible. Oui, alors... Mais chaque religion a son livre. Oui, vous êtes libre de croire Oui, mais ça, c'est arrivé tout de même six siècles après. Pas après la Bible, monsieur. Non, après les évangiles. Comment? Après Jésus? Après Jésus, oui. Non, alors je voulais poser une question à mademoiselle. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez reçu dans l'islam ce que vous n'aviez pas trouvé dans votre religion antérieure. Quelle était cette religion? Disons que... Vous étiez catholique? Bon, oui, bon, mais quand on m'a baptisé, on m'a demandé mon avis. Hein. Alors, je vais vous poser une question terrible. Oui. Est-ce que vous connaissiez ce que la religion chrétienne... enseigne? Ah oui, parce que j'allais au catéchisme, j'ai lu l'évangile, Vous avez lu l'évangile? Oui. Alors quelle est la base du salut? Quelle est la base du salut? Expliquez-vous, monsieur Jonquet. Oui. Allez-y, monsieur Jonquet, parce que... Justement, expliquez-vous, parce que... Dans votre lettre, justement, vous expliquez que les religions, dans leur ensemble, sont très mal connues. Voilà, oui, et voyez-vous, je vais peut-être répondre avant qu'on me pose la question. Voyez-vous, je suis un peu dépaysé parce que je ne pensais pas être seul chrétien avec... Madame de Lourdes et le père de Lourdes, quand même, vous êtes trois. Ah, vous êtes chrétienne aussi. Oui, bien sûr. Vous êtes chrétienne ou... Parce que, voyez-vous, moi, je suis chrétien. Chrétien, vous allez me demander peut-être le sous-titre. Je ne prends pas de sous-titre. Je vais dire, si vous voulez, béréen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'est quoi? Alors, c'est pas une nouvelle secte, croyez-moi. Non. Bien, je me reporte à la Bible, les actes des apôtres, où Paul et Silas, quittant Thessalonique, est plutôt mal reçu, arrivent à Bérée, où il est très bien reçu par les Juifs, qui écoutèrent tout ce qu'il disait avec beaucoup de complaisance, mais ils regardaient tous les soirs si ce qu'on leur avait dit dans les Écritures était exact. Alors c'est ce que j'ai fait, moi, il y a 20 ans. Et moi aussi, je suis un converti. Moi, j'étais catholique, comme tout le monde en France. On vous met un exemple, vous êtes catholique. Je serais né en Allemagne, j'aurais été protestant. Je serais né en Algérie, j'aurais été musulman. Voyez-vous, je crois que, ici en France, la religion qu'on a dépend de quelle porte dans l'escalier vous êtes... vous habitiez. Au troisième droite, c'était des catholiques, ça fait un catholique. En face, dites donc, c'était des protestants, ça fait un protestant. Oui, alors, au sixième étage, il y avait des musulmans. Ça fera un musulman. Bon. Mais, un jour, alors qu'on m'avait dit dans ma jeunesse, il y a longtemps, parce que je suis vieux, je suis âgé. On m'avait dit, défense de lire la Bible parce que c'est le livre hérétique des protestants.
Et, bête et obéissant, jamais j'avais touché une Bible. Et il y a 20 ans, on m'a dit, lisez la Bible. J'ai eu un mouvement de recul, parce que ce qui nourrit votre jeunesse vous tient tout de même à la peau. Et puis je me suis dit, pourquoi je ne la lirais pas, la Bible? Je pourrais bien lire Karl Marx et même le Kama Sutra. Alors donc, il n'y a aucune raison que je ne lise pas la Bible. J'ai lu la Bible. Alors je vais vous dire quelque chose. Après, je vous dirai que j'admire beaucoup votre position, messieurs, dames. Pour moi, ça a été comme si j'avais vécu jusqu'alors dans une cave toute noire. Et que tout d'un coup, on aurait ouvert une grande baie par où le soleil entrait. J'ai fait la rencontre avec Jésus. Non, ne croyez pas que je l'ai vu et tout ça, non. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, et monsieur. Il a dit, laissez-moi, je fais encore un petit peu. Alors, je vous donne la base du christianisme. Pas beaucoup de le connaissent. C'est Jean 3,16. C'est pas un numéro de téléphone. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, et Dieu est amour. Et alors, ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé, si vous connaissiez, maintenant, je vous absous totalement, n'est-ce pas, si vous ne connaissiez pas. J'ai l'impression que mademoiselle Campello n'a pas besoin de taper. J'achève, une seconde seulement, et j'achève. Vite, monsieur Jean-Pierre, est-ce qu'on voudrait avancer dans le débat de musulmans? Oui, non, puis moi, après, c'est fini, je me mets en veilleuse. Pas du tout. Figurez-vous que... Vous n'êtes peut-être pas allé assez loin. Il fallait poursuivre après Jésus. Il y a eu un autre prophète qui s'appelait Mohammed. Je vous demande, monsieur, est-ce que vous avez lu le Coran, hein? Est-ce que vous savez la position de Jésus chez nous, musulmans? Oui, vous êtes le prophète. Alors dites-nous, monsieur Ben... Bon. Il est prophète. Oui, mais pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour vous, c'est un fils de Dieu. C'est le fils de Dieu? Vous ne voulez pas que ce soit le fils de Dieu? Écoutez, il y a une chose qui est certaine. Non, il y a une chose qui est certaine. Jésus est annoncé... Depuis l'Ancien Testament, on a annoncé, exact, mais si vous le lisez, vous allez voir que c'est lui le Messie. Oui, bien sûr, c'est lui le Messie. Exactement, c'est lui le Messie. J'admire la foi que vous, dans l'islam, vous avez. Et gloire à Dieu si un jour les chrétiens peuvent avoir la même foi. Oui. Écoutez, je crois que c'est vrai, vous avez une foi très très belle dans votre religion. Si vous étiez allé un petit peu plus loin... Ce n'est pas une religion, j'aime pas les religions. Oui, votre croyance. Si vous étiez allé un petit peu plus loin, peut-être auriez-vous rencontré l'islam et auriez-vous été tenté comme mademoiselle Campello. Je voudrais demander à M. Bamat, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'islam est une religion qui semble séduire autant de monde, malgré tout? C'est-à-dire, quand on a fini de lire la Bible, quand on a fini de lire les évangiles, et qu'on va plus loin, qu'on va vers le Coran, on a envie d'aller vers... La Bible, quand vous avez lu les évangiles, vous n'allez pas plus loin parce que vous êtes arrivé. Aujourd'hui, je crois que M. Bamat nous réponde. C'est l'évolution, on s'arrête pas dans la vie. Et puis c'est fini, hein, je l'ai pas dit. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que vous avez en France, ce sont des chrétiens à quatre roues. Oui, Inès, on les baptise, bon, ça fait un chrétien. Ils font un petit peu de catéchisme à 10 ans, et hop, ils renouvellent des vœux, et le lendemain du renouvellement des vœux, ils font « ouf, c'est fini, on n'y va plus ». Et alors ça grossit le troupeau de chrétiens qui disent « j'ai ma religion, mais je ne pratique pas ». C'est des boulangers qui ne font ou qui ne savent pas faire de pain et qui meurent de faim. Oui. Voilà ce que c'est. Monsieur Bamat, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Le Père Lelon est là, il est chrétien. Je crois qu'il faut... Il faut nuancer un peu tout ça, même beaucoup. Monsieur Bamat, je voudrais que Monsieur Bamat parle d'abord. Non pas une réponse, puisque le débat est déjà lancé, et même avec une certaine chaleur, mais je vais commencer par un petit fait concret qui, j'espère, va contribuer à recentrer notre débat sur la question comment est-il possible d'être ou de devenir musulman, de vivre son islam aujourd'hui, en 1982. Eh bien, il y a quelques jours, je me trouvais bien loin d'ici, j'étais à Harlem, aux États-Unis, et c'est moi qui faisais l'interview à ce moment-là, et je posais des questions à des Noirs qui se trouvaient à Harlem.
je pose la question à l'un d'entre eux qui me dit qu'il est musulman. Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans et c'est l'un des faits de conversion les plus impressionnants de nos jours. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'Africains et aussi d'Américains noirs et d'Américains qui sont devenus musulmans. Je pose la question. Il me répond, oui, je suis musulman. Alors, je lui demande, et c'est la question que vous me posez aujourd'hui à tous, qu'est-ce que cela vous fait ? Voilà, vous rencontrez un autre musulman venu de l'autre côté de la terre, un Afghan, d'Afghanistan. Qu'est-ce que cela vous fait ? Il me répond, vous allez voir. Et il me dit, en anglais ou en américain, just watch. Et il m'embrasse. Pourquoi est-ce que ce noir américain, originaire d'Afrique, sent comme un frère, comme un proche, qu'il embrasse un homme venu de l'autre côté de la terre, Afghanistan, simplement parce qu'il lui dit qu'il est aussi musulman? Voici en partie la question qui est soulevée aujourd'hui. Oui. Je vais tenter deux réponses. Et puis ensuite, on discutera. La première, c'est la fin des idéologies dans beaucoup de pays, en Europe, en Orient, en Amérique. On ne croit plus, on cherche. Et tous ceux qui se tournent vers l'islam, je l'ai senti, sont des hommes et des femmes d'exigence et des hommes et des femmes de recherche. Ce n'est pas par complaisance qu'ils viennent l'islam. C'est difficile d'être musulman, surtout quand on se trouve en Europe ou en Amérique. Donc, premier point, on ne vient pas à l'islam par caprice, on y vient par une exigence, parce que c'est dur. Après, des choses s'ouvrent, il y a une exigence intérieure. Et je crois que l'une des valeurs de l'islam, et nous revenons ici à ce noir à Harlem, c'est que l'islam se situe dans le Coran et dans les origines et dans sa vérité, en dehors des classes, des conditions sociales et économiques, en dehors des races. Je crois que ça, c'est un fait qui est très fort et qui a contribué à l'expansion de l'islam au premier temps. Oui. L'islam se veut au-delà de ces questions de nationalité, de race, d'ethnie. Il me semble que c'est l'un des points. Au moment où chacun est conditionné, compartimenté dans un nationalisme, dans une race, il y a un désir de liberté qui porte au-delà de ce qu'on est attribué. Maintenant, est-ce que cela amène à l'islam fatalement? La question a été posée. Ça pourrait mener à une intériorisation du christianisme, ou, et on le voit, vers le bouddhisme zen, que sais-je encore. Pourquoi l'islam? Alors, je fais encore un petit pas. Il me semble, et je m'arrêterai après cela pour que le débat se continue, il me semble que ce qui attire beaucoup dans l'islam, et j'en parle à propos, par exemple, de mes étudiants, c'est que le musulman, normalement, est un homme qui met en action sa foi. Oui. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que ce n'est pas une foi du dimanche, ce n'est pas quelque chose qui se trouve réservé à un temps fort de la vie, c'est toute notre existence qui est modelée par le fait d'être musulman. Et il y a, dans une tradition en langue arabe, dinwa dunya, qui veut dire la religion est ici-bas ou l'au-delà est ici-bas. Il y a un mot qui est très important, c'est le « wa » qui signifie « et ». En fait, nous associons l'au-delà et l'ici-bas. Et dans notre vie quotidienne, il y a non seulement une foi musulmane, mais une manière de se présenter au monde, une manière de se mettre à table, de s'adresser à quelqu'un, de commencer à agir qui est musulmane. Je crois que ce lien entre la foi et l'action, entre la métaphysique et le physique, entre la raison et la foi, c'est cela qui fait que certains s'intéressent aujourd'hui à l'islam. Je contribue peut-être à lancer le débat et peut-être à être très incomplet. Je sais que c'est très incomplet, mais peut-être pour être... Mais je crois que c'est très important ce que vous venez de dire. J'aimerais que le père Lelong, qui est chrétien donc, mais qui a regardé de très près... Catholique. Chrétien-catholique. Chrétien-catholique, mais qui a regardé de très près cette religion et qui s'en sent quelque part très proche. Vous vous sentez très proche de l'islam. Oui, j'aime beaucoup l'islam, j'ai beaucoup d'amis musulmans et je lis et médite le Coran qui m'apporte énormément et pourtant je reste profondément attaché à ma foi chrétienne. Alors, comment restez-vous attaché à cette foi après ce que vient de nous dire M. Bamat on a envie de devenir musulman. J'aime l'islam parce que ce qu'on en dit parfois, la façon dont on en parle, dans les médias en particulier, trop souvent, dans les journaux, surtout à l'occasion des événements qui se passent actuellement dans le monde,
me paraît pas juste sur l'islam. Si on connaît bien l'islam, si on a pénétré le message coranique, si on l'a médité, si on a essayé de comprendre quel est ce message, on ne peut pas dire tout ce qu'on dit à tort contre l'islam. Donc je trouve que là, il y a toute une richesse spirituelle qui rejoint sur bien des points, pas sur tous, ma foi chrétienne. Donc l'islam m'a aidé, je crois, à approfondir ma foi de chrétien en me faisant retrouver, en redécouvrir davantage la dimension de transcendance de la foi en Dieu. Dans un monde sécularisé, où notre christianisme, malheureusement, a été trop souvent influencé par une certaine désacralisation, l'islam nous ramène, nous chrétiens, à Dieu par le Christ. Alors c'est là où, oui. Si vous voulez... Pourquoi n'êtes-vous pas musulman? Voilà. Pourquoi je ne suis pas musulman? Je vais vous l'expliquer dans mon livre, vous l'avez peut-être remarqué. Bien sûr. Je ne suis pas musulman parce que dans ma vie, et dans ma foi, et dans ce que j'essaie de vivre, le Christ occupe une place centrale. Non pas comme le terme de ma foi, le Christ venu de Dieu, retourné vers Dieu, fils de Dieu, au sens où l'Église le dit. Et donc le Christ, pour moi, est celui qui a fait connaître pleinement Dieu, son Père, qu'il appelle son Père, notre Père, et qui nous invite à nous tourner vers son Père. Donc le Christ reste au cœur de ma foi de chrétien, et je ne suis pas musulman parce que la foi musulmane insiste sur le rapport direct de l'homme à Dieu. Sans cette médiation du Christ. Alors que pour moi, enfin, qui suis né dans le christianisme, qui ai réfléchi sur ma foi, j'ai cherché à la vivre plus profondément, je ne peux pas mettre entre parenthèses du tout cette relation au Christ, cette présence de la personne du Christ qui, pour moi, est l'image parfaite de Dieu. Oui. Bien, Eva de Vitré, votre cas est un petit peu particulier. Vous étiez chrétienne et puis vous vous êtes convertie à l'islam. C'est un petit peu le cas de Mademoiselle Campello, mais il s'est passé autre chose. Vous avez fait un doctorat de philosophie islamique avant de vous être convertie. Oui, alors un petit peu pour répondre tout à l'heure à ce que disait tout à l'heure notre voisin, qui pensait qu'il y avait une grande ignorance. En fait, quand j'ai découvert l'islam, il y a plus d'un quart de siècle, je l'ai découvert à travers des études. Je ne connaissais pas de musulmans. Je n'avais jamais mis les pieds dans un pays musulman. La première fois que je suis allée en terre d'islam, j'étais musulmane depuis 15 ans. Bon. Je n'avais donc aucun contact personnel qui puisse m'influencer. Et d'autre part, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit qu'il serait honnête, que peut-être étais-je attirée par une autre tradition, parce que j'étais trop ignorante de la mienne. J'avais fait évidemment du catéchisme comme tout le monde, et puis bon, j'avais un peu laissé tomber, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc j'avais besoin vraiment d'être au courant de ce qui se faisait au point de vue exégèse, au point de vue recherche, que j'étais un peu dépassée par tout cela. Et je me suis astreinte à faire 3 ans de théologie chrétienne et d'exégèse en grec sur les textes néo-testamentaires grecs avec un merveilleux professeur de Sorbonne qui était un pasteur protestant. Mais c'était la même chose, enfin, je veux dire. Et donc, c'est vraiment, je crois, avec une conviction profonde que j'ai embrassé l'islam. Je n'aime pas le mot conversion. Vous savez que quand on embrasse l'islam, on n'abjure rien. Oui, c'est ça. N'est-ce pas ? Vous intégrez finalement. Je crois, justement, je crois que c'est acquérir une dimension. Je ne veux pas du tout ici ni faire du triomphalisme, ni me poser en m'opposant. N'est-ce pas ? Je crois que c'est la dernière attitude à avoir. Et je pense que toutes les démarches vers Dieu, si elles sont authentiques et sincères, ont la même valeur. Mais je crois aussi que pour moi, il n'y en avait pas d'autres. Mais Eva de Vitré, on peut se demander ce que vous avez trouvé dans la religion musulmane que vous n'avez pas trouvé dans la religion catholique. Qu'est-ce qui l'a emporté, en fait? Justement, d'abord, peut-être le fait que... il y a peut-être une note personnelle qui est une certaine indépendance d'esprit. Et je trouvais que... puisque vous me demandez un récit un peu autobiographique, ce qui me gêne un petit peu, je voulais dire que je n'aurais pu rester chrétienne qu'en n'étant pas très honnête, c'est-à-dire en mettant entre parenthèses tout ce qui me gênait. Vous voyez, quand on me dit de croire quelque chose, bon, je veux tout de même y adhérer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon intelligence. Si je dois le croire parce qu'on me dit de le croire, alors je suis très malheureuse et je pense qu'il est malhonnête de mettre de côté les choses qui vous gênent. Vous parlez des mystères de la religion chrétienne. Pas seulement des mystères, mais je veux dire qu'on ne peut pas me dire... Bon, je prends un exemple très simple. Bon, le Coran, et là je fais un petit retour en arrière. Vous savez, l'islam... est la seule religion du monde qui se désigne non pas par le nom d'un fondateur comme le christianisme ou le bouddhisme,
ni comme le nom, par le nom d'un pays qui lui a l'habitude d'être, comme l'hindouisme ou le judaïsme, mais par une attitude d'esprit. L'islam vient d'une racine arabe avec une connotation de paix qui veut dire s'en remettre à Dieu, entre parenthèses, dans la paix, s'être mise à Dieu engendrant elle-même la paix. Donc elle se désigne par une attitude fondamentale de l'homme par rapport à son créateur et à la création. L'islam est une religion très cosmique, entre guillemets. Oui. La prière, par exemple, est accordée aux heures du jour, aux saisons, etc. Bon, si vous voulez, ce qui me paraît important, c'est que dernière venue des trois religions abrahamiques, qui sont le judaïsme, le christianisme et le christianisme, la dernière venue ne vient pas du tout récuser le reste, ou renier le reste, ou réfuter le reste, mais reprend ce que ça a de fondamental, et part... moi, j'aime bien les idées simples. Et j'ai été séduite, je crois, en grande partie, par un raisonnement que je me suis fait après avoir fait tout de même un doctorat de philosophie musulmane, mais je veux dire en essayant de résumer pour moi-même en notions très simples, vous savez. Je me suis dit ceci, bon, ou bien la vie est, enfin, ou tout est absurde, ou tout est signifiant. Bon, si tout est absurde, bon, on ne va pas plus loin. Si tout est signifiant, il y a un absolu qui rend cet absurde apparent signifiant ou non. Si un absolu, il peut se révéler ou non. Bon, s'il ne se révèle pas directement, c'est-à-dire si on le découvre, comme dans les religions mystiques, comme le bouddhisme par exemple, bon, c'est une autre approche. Je ne dis pas que c'est supérieur ou inférieur, c'est différent. Approche, c'est une autre approche, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez, si on prend une image tout à fait classique à tous les mystiques musulmans comme et chrétiens, qui est l'image de l'échelle, bon, si on prend une échelle plantée sur la terre et qui se perd dans l'infini des cieux, n'est-ce pas? Bon, le bouddhisme, on dira, il faut que l'homme gravisse par des purifications successives, différents échelons, et ensuite, eh bien, peut-être pourra-t-il comprendre, atteindra-t-il un niveau de conscience tel qu'on pourra en reparler. Bon, c'est un petit peu comme un enfant qui demanderait à son père, explique-moi ce que c'est que la relativité d'Einstein, son père lui dira, quand tu seras en maths sup, on en reparlera. Bon, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Et quand on interrogeait le Bouddha sur des vérités métaphysiques, il disait quelque chose d'analogue, n'est-ce pas? Il disait, quand vous aurez atteint un niveau de conscience suffisant, alors on pourra en reparler. Mais si, ce qui est la caractéristique des trois religions abrahamiques, dont l'islam, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde qui se révèle. Bon, alors il va se révéler par une parole. Il faut bien qu'un homme, que nous, humains, nous comprenions ce qu'on nous dit. Oui. Cette parole va être soit une personne, comme Jésus. Jésus. Soit qui est beaucoup plus comparable, d'après les mystiques musulmans, à la Vierge Marie. N'est-ce pas? Étant donné que... pardon, c'est le prophète qui est comparable à la Vierge Marie, et Jésus étant plutôt comparable au Coran, ben, c'est le véhicule, c'est le porteur d'un message. Bon. Enfin. Alors, dans ces trois livres, n'est-ce pas, la Torah, bon, la parole vivante de Jésus et la tradition vivante, qui est le Coran, qui est les évangiles, et puis le Coran, il ne peut pas y avoir de différence fondamentale, parce que si Dieu se révèle, il ne va pas dire aux uns que deux et deux font quatre, aux autres que deux et deux font trois, et aux autres encore un autre que deux et deux font cinq. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Que va représenter l'islam? Il va représenter en somme le commun dénominateur de toutes les grandes religions du monde, c'est-à-dire considérer que Dieu se révélant ne peut que communiquer un message fondamental qui doit être la vérité partout, les deux et deux font quatre partout. Alors l'islam dira, bon, s'il y a eu des extrapolations, s'il y a eu des choses ajoutées, ça c'est le produit d'une réflexion purement humaine sur un donné révélé. Bon, exemple très simple, bon, le Coran parle de l'annonciation à Marie, mère de Jésus, mère d'un prophète, comme l'évangile de Luc. Mais si 20 siècles, et là je ne juge pas, je ne critique pas, je constate. Si 20 siècles plus tard, un concile romain proclame que Marie est montée au ciel dans son corps, ce qui est le dogme de l'Assomption, bon, un musulman dira peut-être que oui, peut-être que non. Oui. Et en tout cas, des hommes ne peuvent pas proclamer une vérité historique simplement au nom du fait qu'ils sont porteurs d'une tradition et d'un message, vous voyez. Oui. Eva, vous êtes une femme, vous vous êtes convertie à l'islam alors que vous êtes une femme, et on dit sur le Coran, on dit que le Coran et que la religion musulmane
pose un certain nombre de problèmes aux femmes. Daniel. Si vous voulez, on va voir quelques versets, hein, quelques lignes. C'est d'ailleurs Mme Cloarec, une de nos téléspectatrices, qui nous les signale et qui nous a écrit une très longue lettre d'ailleurs, dans laquelle elle nous dit « Je me demande bien ce que l'on peut attendre d'une religion qui, dans ses écritures sacrées, ose proclamer « Ce qui suit, ouvrez grand vos oreilles » et on en rediscute ensuite sur le plateau. Dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs époux, ou à leurs serviteurs mâles, incapables d'actes sexuels, ou aux garçons impubères. Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles et à cause des dépenses qu'ils font pour leur entretien. Les femmes vertueuses sont pieuses, elles préservent dans le secret ce que Dieu préserve. Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité, reléguez-les dans les chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. Dieu est élevé et grand. Tenez-vous à l'écart des femmes durant leurs menstrues. Ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. Lorsqu'elles sont pures, allez à elles comme Dieu vous l'a ordonné. Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voudrez. Si vous êtes malade, ou si vous voyagez, ou si l'un de vous revient du lieu caché, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à du bon sable, que vous vous passerez sur le visage et sur les mains. Dieu est celui qui efface les péchés et qui pardonne. Voilà. Alors, mademoiselle Campello, vous avez écouté, bien sûr, comme tout le monde, ce qui vient d'être dit. Une autre téléspectatrice nous a écrit dans le courrier, mais peut-être n'est-elle pas très renseignée, pas très bien renseignée. Les femmes dans cette religion sont considérées comme des légumes. Alors, j'avoue que la critique est sévère, mais qu'en pensez-vous, vous qui êtes convertie, qui êtes une jeune femme? Au contraire, la femme... est faite, disons, pour rester à la maison. Elle s'occupe, elle a une charge, disons, qui a une grande importance. Elle gère pratiquement la maison et elle s'occupe des enfants. Donc, mais elle n'est pas esclave d'aller travailler, gagner sa vie, revenir, travailler, s'occuper des gosses. Et au contraire, elle a, disons, sa part de travail, elle a une grande importance. Et c'est grâce à elle si l'homme arrive à s'élever au niveau où il est. C'est un petit peu, ça va un petit peu à contre-courant de tout ce qui est dit mais oui, à parce notre que... époque, où on pousse un petit peu les femmes à s'émanciper, à aller dehors, à travailler. La femme peut sortir avec la permission de son mari. Mais pourquoi voulez-vous ça la permission de son mari? Il faut se référer au Coran. Oui, mais donc, écoutez, on est au 21e siècle. Pourquoi demander la permission à son mari? On est grande. C'est pas ça. On est adulte. On est libre. Alors expliquez-moi. La femme est libre, oui. Mais libre de demander la permission à son mari? Mais oui, car bon, ben, elle est l'esclave de Dieu d'abord et l'esclave de l'homme ensuite. Et cette notion de femme soumise ne vous choque pas? Elle est libre pratiquement. Mais elle n'est pas libre. Elle peut pas sortir. Mais si, elle peut sortir si son mari l'autorise. Oui, mais pourquoi voulez-vous demander l'autorisation du mari? Et votre vitrée, vous protestiez? Ah, moi je proteste énergiquement. Je proteste énergiquement. Bon, d'abord, je pense, si vous voulez, que les citations qui ont été données, bon, évidemment, elles sont toutes groupées. Et alors, elles donnent un certain tableau. Mais il faudrait, je crois, corriger ce tableau. Par exemple, bon, on a l'air de considérer la femme comme absolument impure, parce que, bon, et comme quelque chose de sale et de dégoûtant, bon, parce qu'elle est un certain moment du mois. Bon, je pense que dans la tradition juive aussi, je dirais même qu'une simple propreté, enfin, fait que, bon, on a peut-être mis un peu les points sur les i. Il faut se rendre compte aussi de l'époque et de genre, n'est-ce pas, de classe. Bon. De contexte sociologique. Bon, ça me paraît tout à fait secondaire. Bon, d'autre part, bon, les ablutions, si vous avez été dans un lieu privé, dit-on pudiquement, ou bien si vous avez touché vos femmes. Les toucher veut dire, en réalité, avoir des relations sexuelles avec elles. Or, comme dans la religion juive d'ailleurs, il y a une purification rituelle avant la prière. Bon, cette purification rituelle, qui est un symbole d'ailleurs
de la purification spirituelle, bon, c'est aussi un rite de passage. Oui, n'est-ce pas? Enfin, vous ne répondez pas à la question. Attendez, Eva, là, vous répondez non, attendez. Non, je prends un certain nombre des choses qui ont été dites. Oui, bon, je veux dire qu'on se sacralise. Bon, non, je veux dire que tout ce tableau qui a été présenté a l'air de faire de la femme quelque chose, en effet, comme disait madame, quelque chose d'impur, etc. Et de soumis. Pardon? Et de soumis. Et de soumis à l'homme. Pas d'impur, soumis, oui. Et de soumis complètement à l'homme. La femme musulmane. Dans, d'après ce que nous venons de dire, je n'ai pas du tout ce sentiment. Attendez, je voudrais demander à monsieur Ben Abdella, justement. Finir de répondre en disant que je n'ai pas du tout ce sentiment, que j'ai vécu pendant des années dans des pays musulmans et que j'avais l'impression que les femmes n'étaient pas du tout plus soumises que des européennes. Bon, j'ai vécu avec des égyptiennes, par exemple. Vous comprenez, n'est-ce pas, le grand problème, c'est le suivant. Vous ne pouvez pas comparer, il y a aujourd'hui près d'un milliard de musulmans dans le monde, mettons en gros 500 millions de femmes. Ces femmes sont ou avocates au Caire, ou professeurs de médecine à Damas, ou ministres à Damas, et j'en ai vu, il y en a plusieurs. Il y a maintenant une femme ministre algérienne, etc. Bon, je pense que ne sont pas des femmes, de très pauvres femmes très soumises. Bon, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas comparer ça d'un côté, bon, si vous voulez, avec bon, des paysannes siciliennes enfermées chez elles, ou des femmes espagnoles, il n'y a pas encore tellement longtemps, avec une mentalité méditerranéenne. Vous comprenez? Bon, il faut comparer ce qui est comparable. Bon, il faut comparer une femme prof de fac à Paris, une femme prof de fac au Caire. Il faut comparer une paysanne sicilienne avec une paysanne yéménite. Bon, il faut comparer des milieux urbains avec des milieux urbains, des classes sociales avec des classes sociales, des cultures avec des cultures, des milieux ruraux avec des milieux ruraux. C'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose. On ne peut pas faire une espèce de comparaison en disant la femme musulmane. Je ne connais pas une femme musulmane. Je connais 500 millions de femmes musulmanes. Eva Dutray ou M. Ben Abdella, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que, comme beaucoup de religions, la religion musulmane a été un petit peu remaniée, retransformée, parce que ça a arrangé pas mal de personnes, en particulier. Mais moi, je dis, le plus grave, c'est que, bon, on vient d'écouter des traductions du Coran, et ce n'est pas le Coran authentique en arabe. Moi, je peux vous dire qu'il y a à peu près 12 ou 15 traductions de français du Coran, et chacun y traduit le Coran à sa manière. Le premier verset du Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les 12 traductions, chacune a sa façon de traduire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, oui. Alors, vous qui lisez le Coran, oui, et qui lisez dans sa version et dans le texte, oui. Alors, qu'est-ce qui est dit à propos des femmes? Est-ce que véritablement la femme doit être soumise à ce mari? Non, absolument pas. Bon, il ne faut pas distinguer, parce que nous, les musulmans, on a deux origines. C'est-à-dire, c'est le Coran et le hadith. Et si on voit, que c'est le hadith? Le hadith, c'est la tradition du prophète. C'est tout ce qui est les paroles des prophètes qui étaient dites, qui expliquent le Coran. Hein. Parce que si on prend le Coran comme ça et on le traduit, c'est très grave. Et ça peut apporter atteinte à la femme, à la dignité de la femme. Et ce que je comprends, parce que le Coran ne va pas sans l'explication, c'est qu'il hadith le prophète. Le prophète, il dit que les femmes sont les sœurs des hommes. Et les égales aussi. Et les égales des hommes. Oui. Hein. Comme pardon. Non, car chez vous, elle n'est pas venue de la côte d'Adam. Elle n'est pas venue de la côte d'Adam. Dieu, il a dit qu'on a créé Adam une jumelle, c'est-à-dire d'un couple unique. Femme d'un couple unique. Voilà, d'un couple unique. Oui. Je voudrais que M. Bamat réagisse sur cette question, et puis le père Lelot. Merci de me faire réagir sur cette question, parce que j'estime que le problème de la condition féminine concerne aussi bien les hommes que les femmes, et que les hommes musulmans ont le devoir d'affronter cette question et d'y faire face. D'affronter cette question, oui. Cela veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. Alors, je vais venir maintenant à ce problème. Je ne reviendrai pas, bien que je sois d'accord avec tout ce qu'a dit M. Ben Abdella sur les difficultés de traduction du Coran. Une chose, dans les textes qui ont été lus, m'a frappé, outre les difficultés de traduction, les gauchissements, volontaires ou non, c'est qu'à chaque fois, on terminait par « Mais soyez juste ». Soyez bon, soyez miséricordieux. Il n'y a presque pas eu de citation qui ne se termine pas par un appel à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire qu'il y a un islam qui est bon dans son principe et des musulmans qui sont dévoyés et mauvais. Une doctrine est vécue. Et il faut la juger aussi par sa réalité sociale, historique, les conditions dans lesquelles. Quelles sont ces conditions ?
Alors là, je me rapproche beaucoup d'Eva. Je me dis que la situation est très différente selon les pays et les lieux. On juge en France, en Angleterre, en Amérique, selon le prisme de certains musulmans qu'on a rencontrés. On a ces musulmans comme on a vu ces pauvres il y a quelques années. Je crois que c'est très important ce que vous dites. Et je crois que ça, c'est important. Et j'étais en train de penser, par exemple, aux familles yéménites que j'ai pu rencontrer, à nos paysannes en Afghanistan, mais aussi à nos étudiantes. Et je prends, en fait, assez trivial, mais on revient assez souvent aussi à ce sujet, le voile. Nos femmes, dans les campagnes, les femmes qui travaillent dans les champs, sont dévoilées. Bien sûr. Et le voile est un phénomène de classe sociale. La question de savoir si la femme a une âme ou non, elle a été longtemps débattue aussi dans le christianisme. Oui, mais c'est en rencontrant l'empire grec byzantin que les Arabes, qui n'étaient pas voilés à ce moment-là, ont pris le voile. Et c'est une classe bourgeoise qui l'a pris. Monsieur Lavat, le voile est peut-être une petite contrainte vécue par certaines femmes, mais il y a quand même des faits qui peuvent surprendre. Lorsqu'une femme qui est considérée infidèle est lapidée, cela ne choque personne apparemment dans le musulman. Si, mais attention. L'islam, attendez, le Coran même et le hadith du prophète, parce que moi, il faut toujours, lorsqu'on parle de Coran, il parlait aussi du hadith, tu vois. Et moi, je dis, c'est très dangereux de parler de Coran sans parler de hadith. Bon, le prophète, il donne des conditions qui vraiment introuvable pour pouvoir lapider une femme. C'est ça. Donc on les laisse. Même le prophète, il dit, il faut quatre témoins qui n'ont aucun rapport, aucun lien familial. Quatre témoins. Et puis il faut trouver la femme avec son amant dans le lit. Mais ça, pas simplement dans le lit, aussi le fait dans le fait, le prophète, il dit. Alors, je vous demande, pour fournir des preuves. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Madame Delos, est-ce que vous avez entendu des femmes se plaindre autour de vous ou bien... Non, nous avons eu par contre, ça je vais faire crier tout le monde, mais nous avons eu dans le bled des enfants que nous avions amenés au cours moyen deuxième année, qui ont été, à l'époque où on passait encore l'examen, qui ont passé l'examen parce qu'elles étaient dans la classe et qu'elles devaient le passer, qui ont été reçues et qui sont venues voir mon mari en lui disant « Si vous m'envoyez au collège à Oujda, je me tuerai. Je veux rester chez moi et porter le voile. » Oui, ça c'est une... Il y a tout de même 30 ans. Bien, mais écoutez, je crois malheureusement... J'ai une de mes élèves que j'ai vue l'année dernière, qui m'a dit, je vous invite à mon mariage dans 2 ans. Alors je lui ai dit, on t'a trouvé un fiancé. Elle m'a dit, j'ai choisi un fiancé. Et je me suis tournée vers ses parents, et j'ai dit, elle a choisi son fiancé toute seule. Et son papa m'a dit, quand même, on est évolué. Remarquez, elle l'a bien choisi. Je lui ai dit, que voulez-vous dire? C'est une jeune fille de Salé. Là, il y a une grande opposition entre Salé et Rabat, qui sont les deux villes jumelles de chaque côté du bourg grec. Il a dit, elle a choisi un Slaoui, et il n'est pas de la haute bourgeoisie. Alors, elle était libre de choisir, mais à condition de bien choisir. Et j'ai dit, et si elle avait choisi Urbati? Alors là, on aurait eu des explications. Il ne m'a pas dit qu'il aurait empêché, mais il y aurait eu des problèmes. Madame Delolle, je crois que ce sera le mot de la fin. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder toutes les questions que nous aurions dû aborder dans cette émission, à savoir pourquoi l'islam est-il accusé de fanatisme, pourquoi a-t-on un regard comme celui que l'on a aujourd'hui sur l'Iran et sur ce qui se passe en Iran. Le père Lelong était là un petit peu pour intervenir là-dessus, sur cette question. C'est trop tard. Je crois que c'est malheureusement trop tard. Nous referons une autre émission sur l'islam. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt. Au revoir. Soleil. Vous êtes au pays du nouveau thermalisme, le thermalisme du soleil.
Dans le midi de la France, entre océan et Méditerranée, 8 stations forment maintenant une chaîne, la chaîne thermale du soleil. Gréou, Amélie, Lapreste, Molitch, Barbotan, Eugénie, Saint-Christo et Cambeau. Interrogez d'abord votre médecin et écrivez à la chaîne thermale du soleil, 32 avenue de l'Opéra, Paris. Tostinette, la vache qui rit, ça change franchement tout. Les crocs vous prennent une autre allure. Tostinette. Les salades ont une autre figure. Tostinette. Les gratins se mettent à dorer. Les hamburgers à vraiment croustiller. Tostinette, tostinette. Tostinez les sandwichs et tout de suite c'est la fête. Tostinette, oh tostinette. Ça change franchement tout, tostinette. Tostinette, la vache qui rit. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est marrant, j'ai les gencives qui me font un peu mal. Fais attention, les gencives c'est très important. Regarde, c'est là, ouais, entre la dent et la gencive, que les bactéries attaquent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, tu fais ce que tu veux. Moi je me brosse régulièrement les dents avec un dentifrice pour les gencives. Tony Gencil. Ça chasse les bactéries. Et je peux te dire une chose, c'est que maintenant, j'ai des gencives en béton. Tony Gencil, parce qu'il faut aussi de bonnes gencives pour avoir de bonnes dents. Sont aujourd'hui 800 millions de par le monde. Ils obéissent à des règles édictées au 7e siècle de notre ère. Ils respectent 5 principes fondamentaux, la profession de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque. Ils appartiennent à des civilisations diverses, mais tous sont imprégnés de ces 5 principes. Dans le monde d'aujourd'hui, on choisit encore l'islam. En France, des intellectuels, mais aussi des gens modestes viennent frapper à la porte des mosquées et demandent à entrer dans la religion d'Allah. Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à embrasser la foi musulmane? L'exemple iranien, fanatique, exigeant, rigoriste, leur semble-t-il être un rempart contre les valeurs nouvelles qui viennent de l'Occident? En Afrique, où l'islam s'étend comme une traînée de poudre, est-ce pour se détacher complètement des anciennes puissances coloniales, chrétiennes et prosélytes, que les hommes et les femmes se convertissent en bloc? Cette religion est-elle aussi souple qu'on le dit? Permet-elle vraiment de maintenir en place, en un syncrétisme éclairé, les anciennes traditions de ceux qui s'y adonnent, l'animisme par exemple? Ces foules qui 5 fois par jour se tournent vers la Mecque constituent-elles pour nombre d'hommes qui cherchent dans les ténèbres métaphysiques qui sont les nôtres une lumière? Les accusations de fatalisme, de fanatisme, de misogynie sont portées contre les musulmans. Est-ce une réalité? Être musulman, est-ce appartenir à une idéologie, à une foi, à une communauté homogène? Est-ce construire un certain avenir du monde ou vouloir recréer les fastes d'un passé aujourd'hui éteint?
Bonjour, eh bien, je crois que tous les problèmes sont posés dans ce petit télécinéma que vous venez de voir. Et pour y répondre, nous avons réuni sur ce plateau 3 invités et 4 téléspectateurs. Je vous présente nos invités. Voici Najumdin Bamat. Il est afghan d'origine. Il a été pendant 20 ans directeur de la culture à l'UNESCO. Et il est aujourd'hui conseiller de la Conférence islamique mondiale. Eva Dvitre Meirovic, elle est professeure de philosophie musulmane. Elle a été professeure, le seul professeur femme, à l'université El Azhar du Caire. Et elle est une des spécialistes en France d'un mystique musulman qui s'appelle Rumi et que nos téléspectateurs connaissent peut-être. Enfin, le père Michel Lelon, il est père blanc. Il a longtemps vécu en pays d'islam. Il a écrit de nombreux ouvrages et le dernier qui vient de paraître vaut la peine, je crois, d'être vécu. Il s'agit de l'islam et l'Occident chez Albin Michel. Voici donc nos 3 invités, Daniel, nos 4 téléspectatrices. Téléspectateurs aujourd'hui. Il y a avec nous Madame Delaulle. Madame Delaulle, vous venez d'Aix-en-Provence. Vous avez vécu 24 ans parmi et avec les musulmans. C'est en tout cas ce que vous nous expliquez dans votre lettre, qui est très longue et qui parle beaucoup d'une caractéristique qui vous a beaucoup frappée pendant ces 24 ans, qui est cet immense don de soi et de tout ce que l'on a. Oui, de la générosité, d'hospitalité, de partage, d'accueil et de respect du maître. Ça, que nous avons d'autant plus apprécié puisque nous étions enseignants et que vraiment c'est bouleversant de voir les témoignages d'attachement, de respect, de gratitude que nous avons reçus dans tous les milieux. Et même après 7 ans d'absence, nous retournons au Maroc et c'est comme si c'était hier. Quelles sont les autres caractéristiques qui vous ont frappé, ému, touché? Cette façon qu'ont les musulmans de prier, quand c'est l'heure, où qu'ils soient, de s'installer là sans aucune honte, sans confusion aucune, au milieu de gens chrétiens ou à l'école par exemple, au milieu des enfants qui jouent, le chaouche, c'est-à-dire le concierge, l'homme à tout faire, il mettait son tapis là et la terre pouvait trembler et la pluie dégringoler. Il disait sa prière et rien d'autre n'existait. Ah, vous venez de nous le dire, Madame Delaulle, cela fait 7 ans que vous êtes rentrée en France. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer à nouveau des musulmans qui vivent en France et où apparemment il n'est pas facile d'être musulman? Eh bien, depuis l'année dernière, nous avons à Aix-en-Provence et en particulier chez nous un de mes anciens élèves qui est maintenant étudiant. Mmh. Et nous avions tout près de chez nous un immense immeuble qui est pratiquement meublé de musulmans, maghrébins et noirs. Et on entend le muezzin qui chante la prière à toutes les heures requises. À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, en ville. Il y a une mosquée? Je ne pense pas. Non, ce n'est pas une mosquée. C'est dans un immeuble, je pense. Nous essayons toujours de voir d'où ils chantent, mais c'est très discret. Je ne sais pas s'il se met par sa fenêtre ou s'il monte à la terrasse. En tous les cas, il chante la prière. Vous-même, vous n'avez jamais été tenté par cette religion? Pas du tout. Non. Pas du tout. Nous avons longuement et très souvent discuté avec nos amis. Nous avons énormément d'amis musulmans, plus ou moins convaincus. Nous avons discuté toujours à cœur ouvert, mais enfin, la tentation ne m'a pas effleuré. Si j'ai bien compris votre lettre et les longues descriptions que vous faites de tous les rites musulmans que vous avez pu observer, c'est une religion qui s'imbrique de façon très intime à la vie quotidienne. On vit heure par heure en étant musulman. Oui. On n'oublie pas sa religion pendant 3 heures ou pendant 8 jours. Oui, je pense c'est presque avec confusion et honte que je dirais ça, mais ils sont peut-être musulmans 24 heures sur 24 et nous ne sommes peut-être pas toujours catholiques 24 heures sur 24. Il faut hélas le dire. Mais je pense que les gens qui ont vécu en milieu musulman doivent être profondément marqués par les exemples reçus. Mmh. Et ça, nous l'avons vu à travers le monde entier. Chaque fois que nous avons rencontré des gens ayant vécu en milieu musulman, nous avons retrouvé ce qui nous avait frappés et modelés, nous, en vivant parmi eux. Mais on reviendra sur votre témoignage, Mme Delaulle, car nombreux seront les sujets de la conversation qui va suivre. Et tout à l'heure, Geneviève, au cours du petit film qui a ouvert cette émission, parlait des nombreuses conversions et adeptes qui, de plus en plus, adhèrent à la religion musulmane. Et nous avons un exemple sur notre plateau. C'est Mademoiselle Aline Campello.
Vous venez du sud de la France également. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Et vous êtes converti. Oui, ça fait... Envers et contre tous, car votre famille ne vous a pas particulièrement aidé. La famille, disons, je dois le respect à mes parents, mais ils n'ont pas leur mot à dire sur ma religion. Donc, le respect, c'est un devoir que j'ai vis-à-vis de l'islam et de mes parents. Mais pas du tout, ils n'ont rien à dire sur ma religion. Ils ne sont pas tellement d'accord. Ah, ils ne se posent pas, ils n'ont absolument rien dit. Ils n'ont rien dit. Vous étiez d'origine chrétienne? Oui, mais mes parents sont chrétiens. Alors comment êtes-vous venue à cette religion? J'ai connu des familles musulmanes, bon, en conversant avec eux, puis je me suis intéressée au Coran, certaines choses qui me touchaient de très près, sur la vie surtout, et toute chose a une réponse dans le Coran. Et puis c'est de là que je me suis convertie en l'islam. Mais, qu'est-ce qui vous a intéressé? Pardon, Daniel, on a toujours les mêmes questions à poser. Qu'est-ce qui vous a séduite dans cette religion lorsque vous avez commencé pureté, à discuter? La bonté, la sagesse, la droiture, tout ça c'est dans l'islam. Mais c'est aussi dans la religion chrétienne. C'est ça, c'est aussi dans la religion chrétienne. Mais c'est peut-être l'application qui vous a séduite. Oui. Cette application quotidienne. On et surtout, être musulman, c'est avoir la foi en un Dieu unique. Mm-hmm. Et pratiquer la religion musulmane, ça veut dire soumission et obéissance. Donc, tout être peut être musulman, mais tout musulman ne pratique pas. Parce qu'il faut obéir à des règles, dont sur les cinq obligations, mais il n'y a pas que ça qui compte dans l'islam. Vous vivez vraiment votre religion? Oui, enfin... Est-ce que c'est facile quand on est une jeune européenne, dans une contrée où il n'y a pas de mosquée, où vous n'êtes pas entourée? Disons, il y en a à Avignon, mais à Orange, on n'en a pas vu là encore. Alors comment arrivez-vous à véritablement vivre cette religion? Bon, les prières, bon, il est pour la femme de la faire chez soi, donc ça ne pose pas de problème pour les prières. Bon, le ramadan, bon, en travaillant, ça ne me pose pas de problème non plus. Bon, mais tout le reste, tout ce qui est charité, bon, il n'y a pas que ça. Un musulman doit être bon, généreux... Vous travaillez? Oui. Alors, comment faites-vous le vendredi, par exemple? Est-ce que cela vous gêne d'aller travailler un vendredi, qui est le jour de congé, de repos, de paix des musulmans? Du moment où j'ai certains horaires, disons, souples, donc ça me permet de faire mes prières, surtout celles de 14 heures à la maison. On a l'impression, vous écoutez, mademoiselle Campello, que c'est une religion très, très rigoriste, enfin très réglée, très formaliste. Exactement. Disons que la prière, c'est un pacte. Donc, il faut respecter ses horaires et c'est un pacte qu'on a vis-à-vis de Dieu. Le ramadan aussi, on le doit. C'est un mois de jeûne, sauf si on est malade, si vraiment la santé nécessite beaucoup de soins. Si là, on peut être dispensé de faire le mois de ramadan qui peut être reporté à plus tard, dès qu'on est mieux. Le pèlerinage à la Mecque, bon, ben, j'ai l'intention, mais... Pour avoir les moyens, pour le moment je ne les ai pas, mais j'ai l'intention d'y aller déjà. Alors, mademoiselle Campello, on peut naïvement, quand on est occidental, bercé dans les religions du catholicisme, on peut se dire, mon Dieu, une jeune femme qui se convertit à l'islam, est-ce pas en contradiction avec le fait d'être une femme, justement? Car apparemment, mais peut-être se trompe-t-on, cette religion est assez astreignante pour les femmes. Non, parce que la femme, disons, est l'égale de l'homme physiquement dans le Coran. Et le Coran octroie beaucoup de droits à la femme, donc au contraire, la femme est bien estimée et bien mise en valeur par le Coran. Hein. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, je crois. C'est une des parties du débat. Tout à fait. Alors, avec nous aussi, Monsieur Ben Abdella. Monsieur Ben Abdella, vous venez de la région lyonnaise. Oui, je viens de Lyon et spécialement de la Duchère, de quartier de la Duchère. Mmh. Je suis un ouvrier étranger d'origine tunisienne. Mmh. Pardon. Je peux vous poser une question indiscrète, parce que théoriquement, c'est Mme Rizer. Oui, c'est ça, Mme Rizer, Khadija Mrizer, qui vous a écrit que la lettre, on l'a écrit ensemble. Et puis c'est vous qu'on a vu arriver. Hein. Oui, la lettre, on l'a écrit ensemble. Et Mme Rizer, bon, c'est une mère de famille, elle a un enfant handicapé, et elle ne peut pas venir, elle s'excuse. Bon, puisque la lettre, on l'a écrit ensemble, c'est tout un groupe qui a écrit la lettre, et c'est Mme Rizer qui a signé. Et je vous précise, à la suite de ce que vient d'être dit, c'est, le groupe, c'était des femmes. Alors écrit. Pourquoi n'est-ce pas c'est une un groupe de femmes qui a écrit la lettre. Hein. Je crois que vous avez apprécié la lettre et c'est pour cela que vous nous avez invités. Mais je précise que la lettre est écrite par un groupe de femmes et que moi, je sais superviser un petit peu. Mais monsieur Benabdella, pourquoi n'est-ce pas une autre femme de ce groupe qui pourrait être aujourd'hui à votre place, qui n'est pas là?
Pourquoi? Pourquoi je crois ils ont des obligations familiales. Ils ont tous des enfants à l'école. Mmh. Puis, Madame de Lolo aussi, Mademoiselle Campello, peut-être pas encore, mais elle a peut-être un petit frère à garder. Oui, on n'a pas pensé. Bon, ils m'ont proposé. Moi, je viens, je ne sais pas moi. Alors, c'est une question importante. C'est un groupe de femmes je crois que s'ils ne sont pas venus, ce n'est pas par interdiction de leur mari ou bien par une obligation. Je crois que c'est bon, il y a des femmes qui travaillent, qui n'ont pas eu la chance de venir. Moi, j'ai eu un travail qui me permettait de venir. Et c'est tout. Il n'y a aucune autre arrière-pensée, hein, je crois. Bien. Bien, alors, ne nous mettons pas en colère. Non, je ne me mets pas en colère. Non. C'est interdit, d'ailleurs, je crois, par le Coran. Alors, monsieur, vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Oui. Et comment vit-on sa religion quand on habite la Duchère, oui, que l'on est ouvrier? France, surtout pas en France, facile. Lorsqu'on est un ouvrier étranger, on vit difficilement l'islam. C'est vrai, on n'a pas de mosquée, mais l'islam ne nous impose pas de faire les prières dans la mosquée. Dieu, il dit, j'ai créé la terre, toute la terre est une mosquée. On peut faire la prière aussi bien chez soi, aussi bien en travaillant. C'est pas, la prière, ce n'est pas de faire les rak'at, c'est-à-dire les prosternations, de se mettre devant la Mecque, mais même en travaillant, la mémoration de Dieu, le fait de se rappeler de Dieu, c'est déjà la prière. Et Dieu, il dit que la plus importante prière, c'est le fait de se rappeler de Dieu. Il suffit pas, et c'est pas important, c'est pas très important de faire l'ablution, de se mettre devant la, avec sa petite natte, devant la, en direction de la Mecque et faire la prière rituelle. Je crois que la prière, c'est même, ça peut se prononcer par le cœur, ça peut, tout acte de vie, même du travail, c'est une prière dans l'islam. Alors, monsieur Jonquet. Voilà, même lorsque, avec les yeux, avec les mouvements des paupières dans l'islam. Monsieur Jonquet. Je suis allé au Sénégal, à Dakar, et j'ai vu des gens de là-bas qui font le chapelet. Comme ça, puis qui, en nous parlant, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, je fais des prières. Mais en me parlant, oui, ça fait des prières quand même. Donc, on revient un petit peu à ce que vous disiez. Oui, on peut intérieurement faire ses prières, sans s'interrompre de son activité. Bon, il y a d'autres obligations. Par exemple, bon, on ne mange pas le cochon. Cela est resté. Ah, c'est resté. Ça, ouais. Je crois que c'est très respecté par tous les musulmans, hein, même les pratiquants et les non-pratiquants. Le fait d'appartenir à la communauté musulmane, ben, on ne mange pas le cochon. Pourquoi ne mange-t-on pas le cochon? Je crois que c'est impur. C'est un peuple qui a été, au temps de Jésus, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, qui a été rendu de cette manière, est devenu animal. Et c'est de là que le cochon, disons, est interdit. C'était un être humain transformé en... Non, je crois, je ne partage pas. Oui, je crois que c'est une question d'hygiène. Je ne partage pas votre avis. Non. Je crois que le cochon a été interdit par les... Même pour les fils d'Israël, ils ne mangent pas les cochons. Non. Et l'islam, si on prend l'origine de l'islam, bon, je crois que c'est très important de voir qu'est-ce que c'est l'islam. Bon, l'islam, c'est la renaissance de la religion d'Abraham. C'est le monothéisme pur. Et l'islam, c'est une progression de la religion première, la religion de Jésus, de Moïse, de David. Oui. L'islam, c'est une seule religion. Hein. On se demande parfois, les enfants me demandaient pourquoi, s'il y a un seul Dieu, pourquoi il y a trois religions. En réalité, il y a une seule religion. Ils ont tous prêché l'islam. Voilà, Dieu, il a envoyé les prophètes à tout peuple pour prêcher l'unicité divine, l'unicité de Dieu. Oui, disons que nous l'avons interprété les uns et les autres d'une façon différente. Voilà. Alors, monsieur Jonquet, nous en arrivons à vous, monsieur Jonquet. Oui, alors, allez-y, posez la question. Je croyais que la révélation était terminée à la fin de la Bible. Oui, alors... Chaque religion a son livre. Hein. Oui, vous êtes libre de croire Oui, mais ça, c'est arrivé tout de même six siècles après. Pas après la Bible, monsieur. Non, après les évangiles. Comment? Après Jésus? Après Jésus, oui. Non, alors je voulais poser une question à mademoiselle. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez reçu dans l'islam ce que vous n'aviez pas trouvé dans votre religion antérieure. Quelle était cette religion? Disons que... Vous étiez catholique? Bon, oui, bon, mais quand on m'a baptisé, on m'a pas demandé mon avis. Hein. Alors, je vais vous poser une question terrible. Oui. Est-ce que vous connaissiez ce que la religion chrétienne... enseigne? Ah oui, parce que j'allais au catéchisme, j'ai lu l'évangile, Vous avez lu l'évangile? Oui. Alors quelle est la base du salut? Quelle est la base du salut? Expliquez-vous, monsieur Jonquet. Oui. Allez-y, monsieur Jonquet, parce que... Expliquez-vous, parce que...
Dans votre lettre, justement, vous expliquez que les religions, dans leur ensemble, sont très mal connues. Voilà. Oui, et voyez-vous, je vais peut-être répondre avant qu'on me pose la question. Voyez-vous, je suis un peu dépaysé parce que je ne pensais pas être seul chrétien avec... Madame de Lourdes et le père de Lourdes, quand même, vous êtes trois. Vous êtes chrétienne aussi. Oui, bien sûr. Vous êtes chrétienne ou... Parce que, voyez-vous, moi, je suis chrétien. Chrétien, vous allez me demander peut-être le sous-titre. Je ne prends pas de sous-titre. Je vais dire, si vous voulez, béréen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'est non. Quoi? Alors, ce n'est pas une nouvelle secte, croyez-moi. Non. Bien, je me reporte à la Bible, les actes des apôtres, où Paul et Silas, qui tant Thessalonique, est plutôt mal reçu, arrivent à Béré, où il est très bien reçu par les Juifs, qui écoutèrent tout ce qu'il disait avec beaucoup de complaisance, mais il regardait tous les soirs si ce qu'on leur avait dit dans les Écritures était exact. Alors c'est ce que j'ai fait, moi, il y a 20 ans. Et moi aussi, je suis un converti. Moi, j'étais catholique, comme tout le monde en France. On vous met un âge, vous êtes catholique. Je serais né en Allemagne, j'aurais été protestant. Je serais né en Algérie, j'aurais été musulman. Voyez-vous, je crois que, ici en France, la religion qu'on a dépend de quelle porte dans l'escalier vous êtes, vous habitiez. Au troisième droite, c'était des catholiques, ça fait un catholique. En face, dites donc, c'était des protestants, ça fait un protestant. Oui, ça vous plaît. Alors, au sixième étage, il y avait des musulmans. Ça fera un musulman. Bon. Mais, un jour, alors qu'on m'avait dit dans ma jeunesse, il y a longtemps, parce que je suis âgé. On m'avait dit, défense de lire la Bible parce que c'est le livre hérétique des protestants. Et, bête et obéissant, jamais j'avais touché une Bible. Et il y a 20 ans, on m'a dit, lisez la Bible. J'ai eu un mouvement de recul parce que ce qui nourrit votre jeunesse vous tient tout de même à la peau. Et puis je me suis dit, pourquoi je ne la lirais pas, la Bible? Je pourrais bien lire Karl Marx et même le Kama Sutra. Alors donc, il n'y a aucune raison que je ne lise pas la Bible. J'ai lu la Bible. Alors je vais vous dire quelque chose. Après, je vous dirai que j'admire beaucoup votre position, messieurs, dames. Pour moi, ça a été comme si j'avais vécu jusqu'alors dans une cave toute noire et que tout d'un coup, on aurait ouvert une grande baie par où le soleil entrait. J'ai fait la rencontre avec Jésus. Non, ne croyez pas que je l'ai vu et tout ça, non. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, et monsieur. Il a dit, laissez-moi, je fais encore un tout petit peu. Alors, je vous donne la base du christianisme. Pas beaucoup de vous connaissent. C'est Jean 3,16. C'est pas un numéro de téléphone. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Et Dieu est amour. Et alors, ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé, si vous connaissez, maintenant, je vous absous totalement, n'est-ce pas, si vous ne connaissiez pas. J'ai l'impression que mademoiselle Campello n'a pas besoin de taper. J'achève, une seconde seulement, et j'achève. Vite, monsieur Jean-Pierre, est-ce qu'on voudrait avancer dans le débat de musulmans? Oui, non, puis moi, après, c'est fini, je me mets en veilleuse. Pas du tout. Figurez-vous que... Vous n'êtes peut-être pas allé assez loin. Il fallait poursuivre après Jésus. Il y a eu un autre prophète qui s'appelait Mohammed. Je vous demande, monsieur, est-ce que vous avez lu le Coran, hein? Est-ce que vous savez la position de Jésus chez nous, musulmans? Oui, vous êtes le prophète. Alors dites-nous, monsieur Ben... Bon. Il est prophète. Oui, mais pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour vous, c'est un fils de Dieu. C'est le fils de Dieu? Vous ne voulez pas que ce soit le fils de Dieu? Écoutez, il y a une chose qui est certaine. Non, il y a une chose qui est certaine. Jésus est annoncé... Depuis l'Ancien Testament, on a annoncé, exact, oui. Mais si vous le lisez, vous allez voir que c'est lui le Messie. Oui, bien sûr, c'est tous lui le Messie. Exactement, c'est lui le Messie. Il était envoyé de Dieu. Ils prêchaient tous la même parole, mais seulement les livres ont été déformés, perdus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On va voir que c'est un autre problème et c'est une autre discussion. Nous sommes aujourd'hui en terre d'islam, puisqu'il y a des musulmans parmi nous. Nous sommes en France. Oui, mais autour de cette table. J'admire la foi que vous, dans l'islam, vous avez. Et gloire à Dieu si un jour les chrétiens peuvent avoir la même foi. Oui.
Écoutez, je crois que, c'est vrai, vous avez une foi très très belle dans votre religion. Si vous étiez allé un petit peu plus loin... Ce n'est pas une religion, j'aime pas les religions. Oui, votre croyance. Si vous étiez allé un petit peu plus loin, peut-être auriez-vous rencontré l'islam et auriez-vous été tenté comme mademoiselle Campello. Je voudrais demander à M. Bamat, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'islam est une religion qui semble séduire autant de monde, malgré tout? C'est-à-dire, quand on a fini de lire la Bible, quand on a fini de lire les évangiles, et qu'on va plus loin, qu'on va vers le Coran, on a envie quand d'aller vous vers... avez lu la Bible, quand vous avez lu les évangiles, vous n'allez pas plus loin parce que vous êtes arrivé. Aujourd'hui, je crois que M. Bamat réponde. C'est l'évolution, on s'arrête pas dans la vie. Et puis c'est fini, je l'ai pas dit. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens que vous avez en France, ce sont des chrétiens à quatre roues. Oui, Inès, on les baptise, bon, ça fait un chrétien. Ils font un petit peu de catéchisme à 10 ans, et hop, ils renouvellent des vœux, et le lendemain du renouvellement des vœux, ils font « ouf, c'est fini, on n'y va plus ». Et alors ça grossit le troupeau de chrétiens qui disent « j'ai ma religion, mais je ne pratique pas ». C'est des boulangers qui ne font ou qui ne savent pas faire de pain et qui meurent de faim. Oui. Voilà ce que c'est. Monsieur Bamat, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Le père Lelon est là, il est chrétien. Je crois qu'il faut nuancer un peu tout ça, même beaucoup. Monsieur Bamat, je voudrais que Monsieur Bamat parle d'abord. Non pas une réponse, puisque le débat est déjà lancé, et même avec une certaine chaleur, mais je vais commencer par un petit fait concret qui, j'espère, va contribuer à recentrer notre débat sur la question comment est-il possible d'être ou de devenir musulman, de vivre son islam aujourd'hui, en 1982. Eh bien, il y a quelques jours, je me trouvais bien loin d'ici, j'étais à Harlem, aux États-Unis, et c'est moi qui faisais l'interview à ce moment-là, et je posais des questions à des Noirs qui se trouvaient à Harlem. Je pose la question à l'un d'entre eux qui me dit qu'il est musulman. Vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans et c'est l'un des faits de conversion les plus impressionnants de nos jours. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'Africains et aussi d'Américains noirs et d'Américains qui sont devenus musulmans. Je pose la question. Il me répond, oui, je suis musulman. Alors, je lui demande, et c'est la question que vous me posez aujourd'hui à tous, qu'est-ce que cela vous fait? Voilà, vous rencontrez un autre musulman venu de l'autre côté de la terre, un Afghan d'Afghanistan. Qu'est-ce que cela vous fait? Il me répond, vous allez voir. Et il me dit, en anglais ou en américain, just watch. Et il m'embrasse. Pourquoi est-ce que ce noir américain, originaire d'Afrique, sent comme un frère, comme un proche, qu'il embrasse un homme venu de l'autre côté de la terre, Afghanistan, simplement parce qu'il lui dit qu'il est aussi musulman? Voici en partie la question qui est soulevée aujourd'hui. Oui. Je vais tenter deux réponses. Et puis ensuite, on discutera. La première, c'est la fin des idéologies dans beaucoup de pays, en Europe, en Orient, en Amérique. On ne croit plus, on cherche. Et tous ceux qui se tournent vers l'islam, je l'ai senti, sont des hommes et des femmes d'exigence et des hommes et des femmes de recherche. Ce n'est pas par complaisance qu'ils viennent l'islam. C'est difficile d'être musulman, surtout quand on se trouve en Europe ou en Amérique. Donc, premier point, on ne vient pas à l'islam par caprice, on y vient par une exigence, parce que c'est dur. Après, des choses s'ouvrent, il y a une exigence intérieure. Et je crois que l'une des valeurs de l'islam, et nous revenons ici à ce noir à Harlem, c'est que l'islam se situe dans le Coran et dans les origines, et dans sa vérité, en dehors des classes, des conditions sociales et économiques, en dehors des races. Je crois que ça, c'est un fait qui est très fort et qui a contribué à l'expansion de l'islam au premier temps. Oui. L'islam se veut au-delà de ces questions de nationalité, de race, d'ethnie. Et il me semble que c'est l'un des points. Au moment où chacun est conditionné, compartimenté, dans un nationalisme, dans une race, il y a un désir de liberté qui porte au-delà de ce qu'on est attribué. Maintenant, est-ce que cela amène à l'islam fatalement? La question a été posée. Ça pourrait mener à une intériorisation du christianisme, ou, et on le voit, vers le bouddhisme zen, que sais-je encore. Pourquoi l'islam? Alors, je fais encore un petit pas. Il me semble, et je m'arrêterai après cela pour que le débat se continue,
Il me semble que ce qui attire beaucoup dans l'islam, et j'en parle à propos, par exemple, de mes étudiants, c'est que le musulman, normalement, est un homme qui met en action sa foi. Oui. Et quelqu'un a dit tout à l'heure que ce n'est pas une foi du dimanche, ce n'est pas quelque chose qui se trouve réservé à un temps fort de la vie, c'est toute notre existence qui est modelée par le fait d'être musulman. Et il y a, dans une tradition en langue arabe, dis-moi dunya, qui veut dire la religion est ici-bas ou l'au-delà est ici-bas, il y a un mot qui est très important, c'est le wa, qui signifie et. En fait, nous associons l'au-delà et l'ici-bas. Et dans notre vie quotidienne, il y a non seulement une foi musulmane, mais une manière de se présenter au monde, une manière de se mettre à table, de s'adresser à quelqu'un, de commencer à agir qui est musulmane. Je crois que ce lien entre la foi et l'action, entre la métaphysique et le physique, entre la raison et la foi, c'est cela qui fait que certains s'intéressent aujourd'hui à l'islam. Je contribue peut-être à lancer le débat et peut-être à être très incomplet. Je sais que c'est très incomplet, mais peut-être pour être... Mais je crois que c'est très important ce que vous venez de dire. J'aimerais que le père Lelong, qui est chrétien, donc, mais qui a regardé de très près... Catholique. Chrétien-catholique. Chrétien-catholique, mais qui a regardé de très près cette religion et qui s'en sent quelque part très proche. Vous vous sentez très proche de l'islam. Oui, j'aime beaucoup l'islam. J'ai beaucoup d'amis musulmans et je lis et médite le Coran. Qui m'apporte énormément, et pourtant je reste profondément attaché à ma foi chrétienne. Alors, comment restez-vous attaché à cette foi, après ce que vient de nous dire M. Bamat, on a envie de devenir musulman. J'aime l'islam parce que ce qu'on en dit parfois, la façon dont on en parle, dans les médias en particulier, trop souvent, dans les journaux, surtout à l'occasion des événements qui se passent actuellement dans le monde, me paraît pas juste sur l'islam. Si on connaît bien l'islam, si on a pénétré le message coranique, si on l'a médité, si on a essayé de comprendre quel est ce message, on ne peut pas dire tout ce qu'on dit à tort contre l'islam. Donc je trouve que là, il y a toute une richesse spirituelle qui rejoint sur bien des points, pas sur tous, ma foi chrétienne. Donc l'islam m'a aidé, je crois, à approfondir ma foi de chrétien en me faisant retrouver, en redécouvrir davantage la dimension de transcendance de la foi en Dieu. Dans un monde sécularisé, où notre christianisme, malheureusement, a été trop souvent influencé par une certaine désacralisation, l'islam nous ramène, nous chrétiens, à Dieu par le Christ. Alors c'est là où, oui. Si vous voulez... Pourquoi n'êtes-vous pas musulman? Voilà. Pourquoi je ne suis pas musulman? Je vais vous l'expliquer dans mon livre, vous l'avez peut-être remarqué. Bien sûr. Je ne suis pas musulman parce que dans ma vie, et dans ma foi, et dans ce que j'essaie de vivre, le Christ occupe une place centrale. Non pas comme le terme de ma foi, le Christ venu de Dieu, retourné vers Dieu, fils de Dieu, au sens où l'Église le dit. Et donc le Christ, pour moi, est celui qui a fait connaître pleinement Dieu, son Père, qu'il appelle son Père, notre Père, et qui nous invite à nous tourner vers son Père. Donc le Christ reste au cœur de ma foi de chrétien, et je ne suis pas musulman parce que la foi musulmane insiste sur le rapport direct de l'homme à Dieu, sans cette médiation du Christ. Alors que pour moi, enfin, qui suis né dans le christianisme, qui ai réfléchi sur ma foi, j'ai cherché à la vivre plus profondément, je ne peux pas mettre entre parenthèses du tout cette relation au Christ, cette présence de la personne du Christ qui, pour moi, est l'image parfaite de Dieu. Oui. Bien, Eva de Vitré, votre cas est un petit peu particulier. Vous étiez chrétienne. Et puis, vous vous êtes convertie à l'islam. C'est un petit peu le cas de Manuel Campello, mais il s'est passé autre chose. Vous avez fait un doctorat de philosophie islamique avant de vous être convertie. Oui, alors un petit peu pour répondre tout à l'heure à ce que disait tout à l'heure notre voisin, qui pensait qu'il y avait une grande ignorance. En fait, quand j'ai découvert l'islam, il y a plus d'un quart de siècle, je l'ai découvert à travers des études, je ne connaissais pas de musulmans. Je n'avais jamais mis les pieds dans un pays musulman. La première fois que je suis allée en terre d'islam, j'étais musulmane depuis 15 ans. Bon. Je n'avais donc aucun contact personnel qui puisse m'influencer. Et d'autre part, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit qu'il serait honnête, que peut-être étais-je attirée par une autre tradition, parce que j'étais trop ignorante de la mienne. J'avais fait évidemment du catéchisme comme tout le monde, et puis bon, j'avais un peu laissé tomber, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc j'avais besoin vraiment d'être au courant de ce qui se faisait
au point de vue exégèse, au point de vue recherche, que j'étais un peu dépassée par tout cela. Et je me suis astreinte à faire 3 ans de théologie chrétienne et d'exégèse en grec sur les textes néo-testamentaires grecs avec un merveilleux professeur de Sorbonne qui était un pasteur protestant. Mais c'était la même chose, enfin, je veux dire. Et donc, c'est vraiment, je crois, avec une conviction profonde que j'ai embrassé l'islam. Je n'aime pas le mot conversion. Vous savez que quand on embrasse l'islam, on n'abjure rien. Oui, c'est ça. N'est-ce pas ? Vous intégrez finalement. Je crois, justement, je crois que c'est acquérir une dimension. Je ne veux pas du tout ici ni faire du triomphalisme, ni me poser en m'opposant. N'est-ce pas ? Je crois que c'est la dernière attitude à avoir. Et je pense que toutes les démarches vers Dieu, si elles sont authentiques et sincères, ont la même valeur. Mais je crois aussi que pour moi, il n'y en avait pas d'autres. Mais Eva Pitré, on peut se demander ce que vous avez trouvé dans la religion musulmane que vous n'avez pas trouvé dans la religion catholique. Qu'est-ce qui l'a emporté, en fait? Justement, d'abord, peut-être le fait que... il y a peut-être une note personnelle qui est une certaine indépendance d'esprit. Et je trouvais que... puisque vous me demandez un récit un peu autobiographique, ce qui me gêne un petit peu, je voulais dire que je n'aurais pu rester chrétienne qu'en n'étant pas très honnête, c'est-à-dire en mettant entre parenthèses tout ce qui me gênait. Vous voyez, quand on me dit de croire quelque chose, bon, je veux tout de même y adhérer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon intelligence. Si je dois le croire parce qu'on me dit de le croire, alors je suis très malheureuse et je pense qu'il est malhonnête de mettre de côté les choses qui vous gênent. Vous parlez des mystères de la religion chrétienne. Pas seulement des mystères, mais je veux dire qu'on ne peut pas me dire... Bon, je prends un exemple très simple. Bon, le Coran, et là je fais un petit retour en arrière. Vous savez, l'islam... est la seule religion du monde qui se désigne non pas par le nom d'un fondateur comme le christianisme ou le bouddhisme, ni comme par le nom d'un pays qui lui a la bunette comme l'hindouisme ou le judaïsme, mais par une attitude d'esprit. L'islam vient d'une racine arabe avec une connotation de paix qui veut dire s'en remettre à Dieu, entre parenthèses, dans la paix, cette remise à Dieu engendrant elle-même la paix. Donc elle se désigne par une attitude fondamentale de l'homme par rapport à son créateur et à la création. L'islam est une religion très cosmique, entre guillemets. Oui. La prière, par exemple, est accordée aux heures du jour, aux saisons, etc. Bon, si vous voulez, ce qui me paraît important, c'est que dernière venue des 3 religions abrahamiques, qui sont le judaïsme, le christianisme, la dernière venue ne vient pas du tout récuser le reste, ou renier le reste, ou réfuter le reste, mais reprend ce que ça a de fondamental, et moi j'aime bien les idées simples. Et j'ai été séduite, je crois, en grande partie, par un raisonnement que je me suis fait après avoir fait tout de même un doctorat de philosophie musulmane, mais je veux dire en essayant de résumer pour moi-même en notions très simples, vous savez. Je me suis dit ceci, bon, ou bien la vie est, enfin, ou tout est absurde, ou tout est signifiant. Bon, si tout est absurde, bon, on ne va pas plus loin. Si tout est signifiant, il y a un absolu qui rend cet absurde apparent signifiant ou non. Si un absolu, il peut se révéler ou non. Bon, s'il ne se révèle pas directement, c'est-à-dire si on le découvre, comme dans les religions mystiques, comme le bouddhisme par exemple, bon, c'est une autre approche. Je ne dis pas que c'est supérieur ou inférieur, c'est différent. Approche, c'est une autre approche, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez, si on prend une image tout à fait classique à tous les mystiques musulmans et chrétiens, qui est l'image de l'échelle, bon, si on prend une échelle plantée sur la terre et qui se perd dans l'infini des cieux, n'est-ce pas? Bon, le bouddhisme, on dira, il faut que l'homme gravisse par des purifications successives, différents échelons, et ensuite, eh bien, peut-être pourra-t-il comprendre, atteindra-t-il un niveau de conscience tel qu'on pourra en reparler. Bon, c'est un petit peu comme un enfant qui demanderait à son père, explique-moi ce que c'est que la relativité d'Einstein, son père lui dira, quand tu seras en maths sup, on en reparlera. Bon, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Et quand on interrogeait le Bouddha sur des vérités métaphysiques, il disait quelque chose d'analogue, n'est-ce pas? Il disait, quand vous aurez atteint un niveau de conscience suffisant, alors on pourra en reparler. Mais si, ce qui est la caractéristique des 3 religions abrahamiques, dont l'islam, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde qui se révèle. Bon, alors il va se révéler par une parole. Il faut bien qu'un homme, que nous, humains, nous comprenions ce qu'on nous dit. Oui. Cette parole va être soit une personne, comme Jésus. Jésus. Soit qui est beaucoup plus comparable, d'après les mystiques musulmans, à la Vierge Marie. N'est-ce pas? Étant donné que... c'est le prophète qui est comparable à la Vierge Marie, et Jésus étant plutôt comparable au Coran, ben, c'est le véhicule, c'est le porteur d'un message. Bon. Enfin. Alors, dans ces 3 livres, n'est-ce pas, la Torah,
Bon, là, la parole de vivante de Jésus et la tradition vivante, qui est le Coran, qui est les évangiles, et puis le Coran, il ne peut pas y avoir de différence fondamentale, parce que si Dieu se révèle, il ne va pas dire aux uns que 2 et 2 font 4, aux autres que 2 et 2 font 3, et aux autres encore un autre que 2 et 2 font 5. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Que va représenter l'islam? Il va représenter en somme le commun dénominateur de toutes les grandes religions du monde, c'est-à-dire considérer que Dieu se révélant ne peut que communiquer un message fondamental qui doit être la vérité partout, les 2 et 2 font 4 partout. Alors l'islam dira, bon, s'il y a eu des extrapolations, s'il y a eu des choses ajoutées, ça c'est le produit d'une réflexion purement humaine sur un donné révélé. Bon, exemple très simple, bon, le Coran parle de l'annonciation à Marie, mère de Jésus, mère d'un prophète, comme l'évangile de Luc. Mais si 20 siècles, et là je ne juge pas, je ne critique pas, je constate. Si 20 siècles plus tard, un concile romain proclame que Marie est montée au ciel dans son corps, ce qui est le dogme de l'Assomption, un musulman dira peut-être que oui, peut-être que non. Oui. En tout cas, des hommes ne peuvent pas proclamer une vérité historique simplement au nom du fait qu'ils sont porteurs d'une tradition et d'un message, vous voyez. Oui. Eva, vous êtes une femme, vous vous êtes convertie à l'islam alors que vous êtes une femme, et on dit sur le Coran, on dit que le Coran et que la religion musulmane posent un certain nombre de problèmes aux femmes. Daniel. Si vous voulez, on va voir quelques versets, hein, quelques lignes. C'est d'ailleurs Mme Cloarec, une de nos téléspectatrices, qui nous les signale et qui nous a écrit une très longue lettre d'ailleurs, dans laquelle elle nous dit « Je me demande bien ce que l'on peut attendre d'une religion qui, dans ses écritures sacrées, ose proclamer « Ce qui suit, ouvrez grand vos oreilles » et on en rediscute ensuite sur le plateau. Dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de se couvrir de leur voile. C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées. Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs époux, ou à leurs serviteurs mâles, incapables d'actes sexuels, ou aux garçons impubères. Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles et à cause des dépenses qu'ils font pour leur entretien. Les femmes vertueuses sont pieuses, elles préservent dans le secret ce que Dieu préserve. Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité, reléguez-les dans les chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez plus querelle si elles vous obéissent. Dieu est élevé et grand. Tenez-vous à l'écart des femmes durant leurs menstrues. Ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. Lorsqu'elles sont pures, allez à elles comme Dieu vous l'a ordonné. Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voudrez. Si vous êtes malade, ou si vous voyagez, ou si l'un de vous revient du lieu caché, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à du bon sable, que vous vous passerez sur le visage et sur les mains. Dieu est celui qui efface les péchés et qui pardonne. Voilà. Alors, mademoiselle Campello, vous avez écouté, bien sûr, comme tout le monde, ce qui vient d'être dit. Une autre téléspectatrice nous a écrit dans le courrier, mais peut-être n'est-elle pas très renseignée, pas très bien renseignée. Les femmes dans cette religion sont considérées comme des légumes. Alors, j'avoue que la critique est sévère, mais qu'en pensez-vous, vous qui êtes convertie, qui êtes une jeune femme? Tout au contraire, la femme... est faite, disons, pour rester à la maison. Elle a une charge, disons, qui a une grande importance. Elle gère pratiquement la maison et elle s'occupe des enfants. Donc, elle n'est pas esclave d'aller travailler, gagner sa vie, revenir, travailler, s'occuper des gosses. Et au contraire, elle a, disons, sa part de travail, elle a une grande importance. Et c'est grâce à elle si l'homme arrive à s'élever au niveau où il est. C'est un petit peu, ça va un petit peu à contre-courant de tout ce qui est dit à votre époque, où on pousse un petit peu les femmes
à s'émanciper, à aller dehors, à travailler. La femme peut sortir avec la permission de son mari. Mais pourquoi vous voulez la permission de son mari? Il faut se référer au Coran. Oui, mais donc, écoutez, on est au 21e siècle. Pourquoi demander la permission à son mari? On est grande. C'est pas ça. On est adulte. On est libre. Alors expliquez-moi. La femme est libre, oui. Mais libre de demander la permission à son mari? Mais oui, car bon, ben, elle est l'esclave de Dieu d'abord et l'esclave de l'homme ensuite. Et cette notion de femme soumise ne vous choque pas? Elle est libre pratiquement. Mais elle n'est pas libre. Elle peut pas sortir. Mais si, elle peut sortir si son mari l'autorise. Oui, mais pourquoi voulez-vous demander l'autorisation du mari? Et votre vitrée, vous protestiez? Ah, moi je proteste énergiquement. Je proteste énergiquement. Bon, d'abord, je pense, si vous voulez, que les citations qui ont été données, bon, évidemment, elles sont toutes groupées. Et alors, elles donnent un certain tableau. Mais il faudrait, corriger ce tableau. Par exemple, bon, on a l'air de considérer la femme comme absolument impure, parce que, bon, et comme quelque chose de sale et de dégoûtant, bon, parce qu'elle est un certain moment du mois. Bon, je pense que dans la tradition juive aussi, je dirais même qu'une simple propreté, enfin, fait que, bon, on a peut-être mis un peu les points sur les i. Il faut se rendre compte aussi de l'époque et de genre, n'est-ce pas, de classe. Bon. De contexte sociologique. Bon, ça me paraît tout à fait secondaire. Bon, d'autre part, bon, les ablutions, si vous avez été dans un lieu privé, dit-on pudiquement, ou bien si vous avez touché vos femmes. Les toucher veut dire, en réalité, avoir des relations sexuelles avec elles. Or, comme dans la religion juive d'ailleurs, il y a une purification rituelle avant la prière. Bon, cette purification rituelle, qui est un symbole d'ailleurs de la purification spirituelle. Bon, c'est aussi un rite de passage. Oui. N'est-ce pas? Enfin, vous ne répondez pas à la question. Attendez, Eva, là. Vous répondez non, attendez. Non, je prends un certain nombre des choses qui ont été dites. Oui, bon, je veux dire qu'on se sacralise. Bon, non, je veux dire que tout ce tableau qui a été présenté, bon, a l'air de faire de la femme quelque chose, en effet, comme disait madame, quelque chose d'impur, etc. Et de soumis. Pardon? Et de soumis. Et de soumis à l'homme. Pas d'impur, soumis, oui. Et de soumis complètement à l'homme. La femme musulmane. D'après ce que nous venons de dire, je n'ai pas du tout ce sentiment. Attendez, je voudrais demander à monsieur Ben Abdella, justement. Moi, je voudrais finir de répondre en disant que je n'ai pas du tout ce sentiment, que j'ai vécu pendant des années dans des pays musulmans et que j'avais l'impression que les femmes n'étaient pas du tout plus soumises que des européennes. Bon, j'ai vécu avec des égyptiennes, par exemple. Vous comprenez, n'est-ce pas, le grand problème, c'est le suivant. Vous ne pouvez pas comparer, il y a aujourd'hui près d'un milliard de musulmans dans le monde, mettons en gros 500 millions de femmes. Ces femmes sont ou avocates au Caire, ou professeurs de médecine à Damas, ou ministres à Damas, et j'en ai vu, il y en a plusieurs, il y a maintenant une femme ministre algérienne, etc. Bon, je pense que ne sont pas des femmes, de très pauvres femmes très soumises. Bon, on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas comparer ça d'un côté, bon, si vous voulez, avec bon, des paysannes siciliennes enfermées chez elles, ou des femmes espagnoles, il n'y a pas encore tellement longtemps, avec une mentalité méditerranéenne, vous comprenez? Bon, il faut comparer ce qui est comparable. Bon, il faut comparer une femme prof de fac à Paris, une femme prof de fac au Caire. Il faut comparer une paysanne sicilienne avec une paysanne yéménite. Bon, il faut comparer des milieux urbains avec des milieux urbains, des classes sociales avec des classes sociales, des cultures avec des cultures, des milieux ruraux avec des milieux ruraux. C'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose. On ne peut pas faire une espèce de comparaison en disant « la femme musulmane, je ne connais pas ». Une femme musulmane. Je connais 500 millions de femmes musulmanes. Eva Dutray ou M. Ben Abdella, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que, comme beaucoup de religions, la religion musulmane a été un petit peu remaniée, retransformée, parce que ça arrangeait pas mal de personnes, en particulier. Mais moi, je dis, le plus grave, c'est que, bon, on vient d'écouter des traductions du Coran, et ce n'est pas le Coran authentique en arabe. Moi, je peux vous dire qu'il y a à peu près 12 ou 15 traductions de français du Coran, et chacun y traduit le Coran à sa manière. Alors ça, c'est une excuse. Constamment, M. Ben Abdella. Le premier verset du Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ben, les 12 traductions, chacune a sa façon de traduire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, oui. Alors, vous qui lisez le Coran, oui, et qui lisez dans sa version et dans le texte, oui. Alors, qu'est-ce qui est dit à propos des femmes? Est-ce que véritablement la femme doit être soumise à ce mari? Non, absolument pas. Bon, il ne faut pas distinguer, parce que nous, les musulmans, on a deux origines. C'est-à-dire, c'est le Coran et le Hadith.
Et si on qu'est-ce voit que c'est le hadith? Le hadith, c'est la tradition du prophète. C'est tout ce que les paroles du prophète qui étaient dites, qui explique le Coran. Hein. Parce que si on prend le Coran comme ça et on le traduit, c'est très grave. Et ça peut apporter atteinte à la femme, à la dignité de la femme. Et ce que je comprends, parce que le Coran ne va pas sans l'explication, c'est qu'il hadith le prophète. Le prophète, il dit que les femmes sont les sœurs des hommes. Les égales aussi. Et les égales des hommes. Oui. Hein. Comme pardon. Non, car chez vous, elle n'est pas venue de la côte d'Adam. C'est... Elle n'est pas venue de la côte d'Adam. Dieu, il a dit qu'on a créé Adam une jumelle, c'est-à-dire d'un couple unique. Hein? Oh, femme d'un couple unique. Voilà, d'un couple unique. Oui. Je voudrais que M. Bamat réagisse sur cette question, et puis le père Lelot. Merci de me faire réagir sur cette question, parce que j'estime que le problème de la condition féminine concerne aussi bien les hommes que les femmes, et que les hommes musulmans ont le devoir d'affronter cette question et d'y faire face. D'affronter cette question, oui. Cela veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. Alors, je vais venir maintenant à ce problème. Je ne reviendrai pas, bien que je sois d'accord avec tout ce qu'a dit M. Ben Abdallah sur les difficultés de traduction du Coran. Une chose, dans les textes qui ont été lus, m'a frappé, outre les difficultés de traduction, les gauchissements, volontaires ou non, c'est qu'à chaque fois, on terminait par « Mais soyez juste ». Soyez bon, soyez miséricordieux. Il n'y a presque pas eu de citation qui ne se termine pas par un appel à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire qu'il y a un islam qui est bon dans son principe et des musulmans qui sont dévoyés et mauvais. Une doctrine est vécue. Et il faut la juger aussi par sa réalité sociale, historique, les conditions de laquelle... Quelles sont ces conditions? Alors là, je me rapproche beaucoup d'Eva. Je me dis que la situation est très différente selon les pays et les lieux. On juge en France, en Angleterre, en Amérique, selon le prisme de certains musulmans qu'on a rencontrés. On a ces musulmans comme on avait ces pauvres il y a quelques années. Je crois que c'est très important ce que vous dites. Et je crois que ça, c'est important. Et j'étais en train de penser, par exemple, aux familles yéménites que j'ai pu rencontrer, à nos paysannes en Afghanistan, mais aussi à nos étudiantes. Et je prends... En fait, assez trivial, mais on revient assez souvent aussi à ce sujet, le voile. Nos femmes, dans les campagnes, les femmes qui travaillent dans les champs, sont dévoilées. Bien sûr. Et le voile est un phénomène de classe sociale. La question de savoir si la femme a une âme ou non, elle a été longtemps débattue aussi dans le christianisme. Mais c'est en rencontrant l'empire grec byzantin que les Arabes, qui n'étaient pas voilés à ce moment-là, ont pris le voile. Et c'est une classe bourgeoise qui l'a pris. Monsieur Bamat, le voile est peut-être une petite contrainte vécue par certaines femmes, mais lorsqu'il y a quand même des faits qui peuvent surprendre. Lorsqu'une femme qui est considérée infidèle est lapidée, cela ne choque personne apparemment dans le musulman. Si, mais attention. L'islam, attendez, le Coran même et le hadith du prophète, parce que moi, il faut toujours, lorsqu'on parle de Coran, il parlait aussi du hadith, tu vois. Et moi, je dis, c'est très dangereux de parler de Coran sans parler de hadith. Bon, le prophète, il donne des conditions qui vraiment... introuvable pouvoir lapider une femme. C'est ça. Donc on les laisse. Même le prophète, il dit, il faut quatre témoins qui n'ont aucun rapport, aucun lien familial. Hein? Quatre témoins. Et puis il faut trouver la femme avec son amant dans le lit. Mais ça, pas simplement dans le lit. Aussi le fait dans le fait, le prophète, il dit. Hein? Alors, je vous demande, pour fournir des preuves. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Madame Delos, est-ce que vous avez entendu des femmes se plaindre autour de vous ou bien... Non, nous avons eu par contre, ça je vais faire crier tout le monde, mais nous avons eu dans le bled des enfants que nous avions amenés au cours moyen deuxième année, qui ont été, à l'époque où on passait encore l'examen, qui ont passé l'examen parce qu'elles étaient dans la classe et qu'elles devaient le passer, qui ont été reçues et qui sont venues voir mon mari en lui disant « Si vous m'envoyez au collège à Oujda, je me tuerai. Je veux rester chez moi et porter le voile. » Oui, ça c'est une... Il y a tout de même 30 ans. Bien, mais écoutez, je crois malheureusement... J'ai une de mes élèves que j'ai vue l'année dernière, qui m'a dit, je vous invite à mon mariage dans 2 ans. Alors je lui ai dit, on t'a trouvé un fiancé. Elle m'a dit, j'ai choisi un fiancé. Et je me suis tournée vers ses parents, et j'ai dit, elle a choisi son fiancé toute seule. Et son papa m'a dit, quand même,
on est évolué. Remarquez, elle l'a bien choisi. Je lui ai dit, que voulez-vous dire? C'est une jeune fille de Salé. Là, il y a une grande opposition entre Salé et Rabat, qui sont les deux villes jumelles de chaque côté du Bourg-Grec. Il a dit, elle a choisi un Slaoui, et il n'est pas de la haute bourgeoisie. Alors, elle était libre de choisir, mais à condition de bien choisir. Et j'ai dit, et si elle avait choisi Rabati? Alors là, on aurait eu des explications. Il ne m'a pas dit qu'il aurait empêché, mais il y aurait eu des problèmes. Madame Delaulle, je crois que ce sera le mot de la fin. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder toutes les questions que nous aurions dû aborder dans cette émission, à savoir pourquoi l'islam est-il accusé de fanatisme, pourquoi a-t-on un regard comme celui que l'on a aujourd'hui sur l'Iran et sur ce qui se passe en Iran. Le père Lelong était là un petit peu pour intervenir là-dessus. Je veux bien y sur cette question. C'est trop tard. Je crois que c'est malheureusement trop tard. Nous referons une autre émission sur l'islam. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt. Au revoir. Le thermalisme du soleil. Dans le midi de la France, entre océan et Méditerranée, 8 stations forment maintenant une chaîne, la chaîne thermale du soleil. Gréoux, Amélie, La Preste, Molitch, Barbotan, Eugénie, Saint-Christot et Cambo. Interrogez d'abord votre médecin et écrivez à la chaîne thermale du soleil, 32 avenue de l'Opéra, Paris. Tostinette, la vache qui rit, ça change franchement tout. Les croques vous prennent une autre allure. Tostinette. Les salades ont une autre figure. Tostinette. Les gratins se mettent à dorer. Les hamburgers à vraiment croustiller. Tostinette, tostinette. Tostiner les sandwichs et tout de suite c'est la fête. Tostinette, oh tostinette. Ça change franchement tout. Tostinette. Tostinette, la vache qui rit. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est marrant, j'ai les gencives qui me font un peu mal. Fais attention, les gencives c'est très important. Regarde, c'est là, ouais, entre la dent et la gencive, que les bactéries attaquent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, tu fais ce que tu veux. Moi je me brosse régulièrement les dents avec un dentifrice pour les gencives. Tony Gencil, ça chasse les bactéries. Et je peux te dire une chose, c'est que maintenant, j'ai des gencives en béton. Tony Gencil, parce qu'il faut aussi de bonnes gencives pour avoir de bonnes dents.